We'll be right back.
Bon début d'après-midi, mesdames, messieurs. Frédéric Beaulieu en votre compagnie pour cette autre rencontre de vos voltigeurs de Drummondville qui affrontent cet après-midi l'armada de Blainville. Boisbriand, la bête noire des voltigeurs. Je disais tantôt à la blague, les rôles sont inversés. Aujourd'hui, si vendredi, c'était plutôt les voltigeurs qui étaient la bête noire du Phoenix de Sherbrooke, bien aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le visiteur qui donne toutes sortes de difficultés aux voltigeurs depuis le début de la saison. Une seule victoire en quatre rencontres pour la troupe de Steve Hartley face aux protégés de Bruce Richardson qui actuellement sont installés au deuxième rang de l'Association de l'Ouest. Fiche de 24 victoires, 16 défaites, 2 défaites en prolongation, une autre en tir de barrage. C'est bon pour 51 points. La fiche des voltigeurs, 26 victoires, 16 défaites, 52 points. Ils sont troisième actuellement. Je le réexplique encore une fois. Tout simplement que ce sont les deux premiers de chacune des divisions qui occupent les positions 1 et 2 de l'association. Vous comprendrez que les voltigeurs sont dans la même division que le Phoenix de Sherbrooke. Les voltigeurs à la recherche d'une troisième victoire de suite aujourd'hui. L'Armada a gagné son dernier match face aux Tigres. C'était vendredi à Victoriaville. Le dernier match entre les deux équipes, c'est il n'y a pas si longtemps. C'est tout juste après le retour du congé des fêtes. L'Armada l'avait emporté. D'ailleurs, ils ont remporté les trois derniers duels entre les deux formations. Dernier match, une victoire de 4-1. Ça se passait le 10 janvier dernier à Blainville-Boisbriand. D'ailleurs, les deux derniers matchs ont été disputés à Blainville. Un à 4-1 et l'autre à 4-3. Et celui à Drummondville le 15 novembre dernier, l'Armada l'avait emporté 5-2. Quand je dis que c'est la bête noire, là, c'est aussi la bête noire du capitaine Xavier Simoneau qui connaît toute une saison cette année. Et dans le cas de Simoneau, très rare qu'il n'a pas une moyenne d'au moins un point par match face à une équipe donnée. Il a 3 points en 4 matchs, mais ce qui cloche dans son cas, c'est le différentiel plus et moins de moins 7. On n'est pas habitué à ça dans le cas de Simoneau. C'est vraiment très difficile pour lui face à l'Armada. D'ailleurs, c'est pas difficile seulement pour lui, hein, c'est difficile pour tout le monde au sein de l'organisation. Il y a seulement 2 joueurs qui ont joué les 4 matchs. Qui ont un différentiel positif. Pour tous les autres, c'est un différentiel négatif. Et quand je parle de ces 2 joueurs, bien, c'est Édouard Charron qui revendique une fiche de plus 2 et Charles-Antoine Dumont qui, pour sa part, présente une fiche de plus 1. Pour les autres, c'est beaucoup plus difficile. Je regarde, Simoneau à moins 7, c'est le pire. Ensuite, Dafonseca à moins 6. Il y a quelques joueurs également à moins 5, dont Mathieu Charlebois. Bon, Drouin n'y est plus. Pour les autres également, bon, c'est plus difficile face à l'Armada cette saison. On verra de quoi il en retourne aujourd'hui. Moi, je m'attends à un grand match du capitaine Xavier Simoneau. Vous le savez, c'est le cœur et l'âme de cette équipe. Et quand lui fonctionne à plein régime, les voltigeurs fonctionnent à plein régime. C'est une condition sine qua non des succès des voltigeurs. Il passe ses succès par celui qui porte le C capitaine sur son chandail. Actuellement, en présentation des deux formations qui vont s'affronter pour le match de ce soir, vous dire qu'il y a quelques matchs également ailleurs dans le circuit Courteau. Les Saguenais visitent le Drakkar à Baie-Comeau. Les Moussets sont à Gatineau pour y affronter les Olympiques. Les Remparts visitent les Foreurs à Val-d'Or. Et enfin, le Phoenix termine une séquence de 3 matchs en moins de 48 heures avec une visite au Colisée Desjardins de Victoriaville. Dans la catégorie des statistiques individuelles, Brandon Scoobal joue du très gros hockey. Je le parlais lors du dernier reportage de vendredi face au Phoenix. Brandon qui va tenter d'amasser au moins 1 point dans un 7e match consécutif. Simoneau, lui, a 5 points lors des dernières rencontres. Anthony Maroney, qui sera le gardien partant pour le match d'aujourd'hui, connaît également un bon début de mois de janvier. 921 lors de ses 2 premiers départs. Moyenne de but alloué à 2,54. Du côté de l'Armada, il y a quelques joueurs qui font bien, commencer par celui qui a été nommé capitaine il y a quelques semaines à peine, Luke Hanman. Il a 12 points lors de ses 7 dernières rencontres. Le Drummondvillois, Simon Pinard, également connaît une bonne saison. Lui qui revendique déjà 20 buts en 39 rencontres. Il en avait amassé 15 l'an dernier en 65 matchs. Donc déjà une très grande amélioration pour celui qui est né au centre du Québec. Sinon, Yann-Félix Lapointe, également le défenseur, l'ancien du Phoenix de Sherbrooke. Il se plaît dans sa nouvelle formation avec son nouveau chandail. Il a 12 points en 10 matchs. Imaginez, il en avait seulement 10 lors des 30 premières rencontres du Phoenix de Sherbrooke. On est prêt maintenant pour l'interprétation de l'hymne national.
Alors voilà pour l'interprétation de l'hymne national. Maintenant, les gardiens de but partant et leurs statistiques. Anthony Maroney, 18 victoires, 10 défaites, moyenne de but alloués 2,71, pourcentage d'arrêt à 904, une seule victoire en carrière face à l'Armada. De son côté, le vis-à-vis, Émile Sanson, fiche de 18 victoires, 12 défaites, une défaite en prolongation, une autre en tir de barrage, moyenne de but alloués 3,24, pourcentage d'arrêt à 912. Les arbitres en chef pour le match d'aujourd'hui, Nicolas Leduc et Jonathan Allary. Juge de ligne, Francis Trump et David Rodrigue. Fabian Oeger est blessé, Wilson est mis de côté, alors que Charles-Antoine Élément effectue un retour au jeu. Jack Campbell est réintégré à la formation de Steve Hartley. Chez l'Armada, Tommy Bouchard manque à l'appel et Justin Gosselin est laissé de côté. On vous souhaite un bon match, mesdames, messieurs. Dumont, Dafonseca, Simoneau en attaque, Dion et Necle. Les défenseurs, on vous souhaite un bon match. Voilà, c'est parti. Mise en jeu apportée par l'Armada. Dégagement de Tourelli jusqu'à l'autre bout. Sortie de Maroney. Envoie le disque contre la rampe. Saisi par Dafonseca. Dafonseca passe plus loin vers Dumont qui s'amène sur le flanc gauche. Dumont entre chez l'Armada. S'arrête au cercle de mise en jeu. Tire flable bloqué par Sanson. Dégagement de Tourelli. Intercepté par Dion au point d'appui. Il a cependant quitté le territoire avec le disque. On va reprendre le tout en zone centrale, alors qu'on lui rend une petite visite là, de courtoisie parce qu'on n'a pas aimé qu'il dirige un tir au filet d'Émile Sanson. Ça n'ira pas plus loin avec l'intervention des officiels. On reprendra en zone centrale à la gauche du banc de l'Armada. Simoneau face à Demers au cercle des mises en jeu. Demers qui se plaît bien, lui qui est de retour à Blainville-Boisbriand après un séjour à Chicoutimi. Il a plus d'un point par match depuis qu'il est de retour avec la formation des Laurentides. Dafonseca, sorti vers Simoneau au centre. Simoneau qui entre chez l'Armada, passe vers Dumont. Dumont va perdre le disque, le reprend. On remet vers Simoneau, dans l'enclave vers Dafonseca. Ça glisse au point d'appui. Nakla fait le tir. S'avance, un tir qui dévie sur un bâton. Et c'est Dumont qui va récupérer derrière. Il a été mis en échec cependant par la pointe. La pointe récupère le disque, l'envoie derrière le filet vers Tourigny, pourchassé par Dumont. Tourigny fait demi-tour, va remettre derrière le filet. Ça a été intercepté par Simoneau qui a tenté de remettre devant. Il a perdu le disque cependant. Demers a pu saisir en sortie de territoire. Cette rondelle va glisser jusqu'à l'autre bout. Attention, c'est Pinard qui s'amène le premier. Pinard a aperçu son coéquipier Corbeil dans l'enclave, n'a pas été en mesure de lui remettre le disque. Thibault déclare. Remise vers Dion qui lui passe vers Giroir. Giroir au centre. Remise vers Scoobal. Attention, entrée chez l'Armada. Belle feinte de Scoobal. Il y a le défenseur des Groseilliers qui n'a pas mordu. Scoobal va tout de même récupérer le disque. Passe vers Charon. Au point d'appui maintenant vers Gauthier. Pointe droite. Un dirige, un tir. Arrête la glace, dévié par-dessus la cible. Au retour, c'est Charon. Remonte vers le point d'appui. La remise vers Giroir. Ça a été intercepté cependant par l'Armada. C'est Huard qui décampe, mais pour un court instant. Attention, Charon. Remise vers Giroir avec Scoobal. Attention, Giroir là, qui a tardé un peu avant de remettre du côté droit. Il a perdu le disque. Lacombe en entrée de territoire. Là. Évite le contact de Charlebois. Remise le long de la rampe. Tente une passe au point d'appui. C'est Scoobal qui voulait saisir. On garde le disque en territoire ennemi. Un tir qui est bloqué en défensive par Gauthier. Tente un dégagement. Voilà qui est fait jusqu'en territoire central. Défenseur de l'Armada, Lavigne qui a remis en territoire central vers Corbeil. Un tir par-dessus la cible, Lavigne premier. Au retour, il a été mis en échec par Gauthier, Charlebois. Abaye à partir avec Edmond, la remise vers Dufour qui lui passe immédiatement vers Dimovski. Entre du côté gauche, il était rejoint par Dufour, on va remettre derrière le filet. Dufour s'amène devant Lavigne. Dufour tente de couper vers le centre, c'est raté, c'est Edmond qui intervient et va remettre en territoire central. C'est repris par Campbell toutefois, crée le revirement. Attention, Campbell vers Dufour. Dufour dans l'enclave, un tir qui dévie, la rondelle est libre. Dion s'est avancé. Dion remet derrière le filet vers Dufour, cette rondelle qui fait un mauvais bon. Tir de Campbell qui rate la cible. Il avait tellement un bel espace pour tirer. Attention, Dufour au point d'appui vers Menolfi. Un tir de Dion par-dessus la cible. Cette rondelle va rouler contre la rampe. L'intervention de Menolfi qui est arrivée cependant en retard. Pikov a pu compléter le dégagement jusqu'à l'autre bout. Dufour dans son territoire. Remet vers Dion. À la hauteur du cercle gauche. Remise en territoire central vers Campbell. Campbell, une passe vers Dufour cependant qui était en fin de présence. Il y avait des changements commandés par Steve Hartley. 16-57 à faire au premier vent. Toujours 0-0 l'égalité. On a fait dévier le disque à l'autre bout. Huard va s'amener. Alamon tente de le mettre en l'échec, c'est Couture là, qui s'amenait derrière lui, qui va récupérer. Roy maintenant. Mise en échec par Campbell. C'est repris par Huard. En se retournant, un tir qui rate la cible. La rondelle est libre en coin de patinoire. C'est Tourigny qui s'avance. Un tir bloqué par Campbell. Ça revient sur le bâton de Tourigny.
remise vers la pointe. La pointe dans l'enclave vers Couture. Un tir bloqué facilement par Anthony Maroney qui ne donnera pas de retour. On va reprendre à la gauche du gardien de but des Voltigeurs. Anthony Maroney qui, lui, est en carrière face à l'Armada. Je le disais en début de match, une seule victoire en quatre décisions. Émile Samson, lui, a une fiche de 500. 4 victoires et 4 défaites depuis son entrée en scène dans la LHGMQ face aux représentants de Drummondvillois. Tente de sortir le disque. Voilà ce qui est fait par Simoneau vers Dumont. Rondelle qui n'a pas quitté le territoire, mais Simoneau va reprendre. Simoneau s'amène du côté gauche chez l'Armada. Pousse la rondelle derrière le filet, sortie de Samson. Samson là, qui va d'une remise contre la rampe, saisie par Roy. Roy rejoint par Dumont, réussit le dégagement jusqu'au centre. Ça passe entre les patins d'Élément. Élément veut sortir du côté gauche, lui qui effectue un retour au jeu. Il n'a pas joué depuis un certain temps, là, plus d'un mois dans son cas. Des gros aiguilles. La remise pour Jackson. Jackson tente un dégagement. Simoneau a voulu intercepter. C'est repris par Nakla. Tir longue distance bloqué par Samson. Jackson laisse pour des gros aiguilles. Des gros aiguilles qui s'amènent pour sortir du côté gauche. Fait demi-tour devant la pression exercée par Campbell. Remise derrière le filet vers Jackson. Jackson qui sert de la baie vitrée. Charlebois qui intervient au point d'appui. Mais elle n'a pas été en mesure de conserver le disque. Attention, Demers l'avait aperçu. Son coéquipier Couture n'a pas été en mesure de lui remettre. Et c'est Gauthier qui s'installe derrière le filet. Kellen Gauthier. Laisse passer Dimovski. Va lui remettre la rondelle. Ça met du côté droit. Dimovski en plainte. Centre de la patinoire. Entre maintenant chez l'Armada. Dimovski, un tir qui dévie tout juste à la droite de Samson. Sortie de Pinant. Remise vers Blagden. Blagden qui remet vers Pinant. Tentait de rejoindre Demers. La rondelle qui lui échappe. Et c'est Maroney qui va remettre contre la rampe. Blagden. Passe intercepté par Campbell. Passe rapide là, de Dufour à son endroit. Dufour va reprendre en territoire central. Franchit la ligne gauche, remet du côté gauche vers Dimovski. Une passe qui est trop longue cependant. Des gros aiguilles derrière le filet. Va remettre pour Jackson. C'est finalement Demers qui s'empare de la rondelle. Demers franchit la ligne gauche, rejette jusqu'à l'autre bout. Il y a des changements au banc de Bruce Richardson. Jacob Dion derrière son filet. Revient sur ses pas. Dion qui tente une passe, a touché le bâton de Giroir. La rondelle est libre derrière le filet. C'est Menolfi qui s'en empare. Menolfi là, qui évite le contact de Pinard. Passe vers Scoobal. Scoobal qui sert de la rampe. C'est repris par l'Armada au centre. Lavoie entre du côté droit. Lavoie là, tente de battre de vitesse Dion. Ça mène au filet. Une passe devant. Ça a été touché par Maroney. C'est Charon qui décampe en contre-attaque. Charon rejoint par deux joueurs de l'Armada. Il entre chez les visiteurs. Attention, Giroir dans l'enclave. Il a de l'espace. N'a pas plein contrôle du disque cependant. Devant, la rondelle qui a dévié sur un patin. Ça a été stoppé par Samson. Giroir au point d'appui maintenant. Vers Nickle. Transfère le disque pour Element qui fait une chute. Cependant, il est en mesure là, de pousser la rondelle plus loin. Même s'il était couché là, sur la surface de jeu. Attention, c'est Corbeil qui va s'amener rapidement. Tir bloqué par Maroney. Un bon tir du côté du bloqueur. Maroney a été vif là-dessus. Giroir fait dévier chez l'Armada. Lavigne s'amène. Il est pourchassé par Charon. Rondelle libre. Lavigne reprend. Il va s'amener en sortie de territoire au centre. Corbeil. Attention à la rondelle qui dévie, mais il y avait hors-jeu à l'entrée du territoire des Voltigeurs alors que Lacombe s'amenait seul. On va s'arrêter avec 13-48 à faire au premier 20. Toujours l'égalité, 0-0. Bon début de match pour les Voltigeurs qui ont dirigé 3 tirs vers Émile Samson jusqu'à maintenant. Quelques belles chances de marquer, notamment pour Nicolas Giroir, qui n'a pas été en mesure de contrôler le disque à sa guise dans l'enclave. Mais c'est un début de match quand même réconfortant quand on compare au dernier match entre les deux formations qui avait été disputé le 10 janvier dernier à Blainville-Boisbriand. Les enjeux apportés par l'Armada. La pointe, lob jusqu'à l'autre bout. Charlebois va s'amener rapidement, doit se méfier de Picoff qui vient mettre en échec. Remise vers Gauthier. Serge Laran pour rejoindre Scoobal. La rondelle qui glisse au centre. Giroir va s'amener rapidement. Attention au territoire de l'Armada. Tente de battre de vitesse Tourini. Voilà qui est fait. Va laisser pour Charon. Charon derrière le filet. Giroir tente de revenir devant. La rondelle est libre. Point d'appui. Gauthier.
Gauthier, un tir qui rate la cible de peu à la gauche de Samson. Pickoff tente de sortir. Charlebois intervient au point d'appui. Un tir rate la cible à son tour. Pas être en mesure là, de toucher le gardien de but Samson. Et Charon s'amenait pour frapper la pointe qui l'aperçoit au dernier moment. Passe dans l'enclave vers Bickoff. Beau travail de Brandon Scoobel en repli. Charlebois remise derrière le filet vers Gauthier. Gauthier là, qui rate complètement sa passe. Attention, Edmond dans l'enclave. À nouveau, Scoobel qui vient intercepter cette rondelle. L'envoie au centre vers Simoneau. Entre le disque chez l'Armada. Desgroseilliers reçoit la remise de Jackson. Charlebois chez lui. Là. A été rejoint. Une remise de Gauthier vers Dumont. Serre de la rampe pour rejoindre Da Fonseca. Entre chez l'Armada. Da Fonseca du côté gauche. Fin devant le défenseur. Un tir qui est bloqué par Samson. Retour Da Fonseca au point d'appui vers Necla. Transfère le disque vers Dion. Dion côté gauche. Dans l'enclave. Dantais. Un tir passe là, vers Dumont pour faire dévier. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est Roy qui décampe en contre-attaque. Roy devant Necla. Beau travail de Dumont à nouveau là, qui a bloqué l'entrée de territoire de l'attaquant de l'Armada. Sortie de Maroney, va remettre vers Dion. Transfert vers Nickler. On centre vers la pointe, fait dévier chez l'Armada. Présence du quatrième trio des Voltigeurs une première fois dans le match. Desgroseilliers passe au centre. Vers Roy, fait dévier chez les Voltigeurs. C'est repris par Menolfi. Remise vers Agostino. Agostino place la rondelle derrière le filet. Sortie de Samson, va remettre vers Couture. Passe qui... Bon, cependant, un tir du point d'appui qui a été bloqué en défensive par Desgroseilliers. Desgroseilliers envoie à contre-courant, le long de la rampe. Sortie de Roy, qui évade une passe au centre. Attention, c'est saisi par Huard. Huard qui évade une fin de paire. L'arrêt de la part de Maroney. Autre bel arrêt du bout de la jambière droite sur le retour qui est venu sur le bâton de Stéphane Huard Junior. Un tir de la voie du point d'appui bloqué par Maroney. Cette rondelle qui bondit à la ligne bleue. Lavigne garde habilement en territoire ennemi. Rondelle qui est disponible en coin de patinoire, c'est conservé par l'Armada. Finalement, c'est Agostino là, qui va réussir à sortir la rondelle du territoire. Présence difficile là, pour le quatrième trio des Voltigeurs là, qui a été embouteillé dans son territoire. Élément dans l'enclave. Quel arrêt de Maroney du bout de la mitaine. Elle vient de voler un but certain. En fait, il vient d'en voler deux là, sur la même séquence. Attention à Dufour qui va s'échapper. Seul devant Samson. Tire, arrêt de Samson. Pinard derrière le filet. Laisse pour Lavoie. Bel échec avant de la part de Dimovski qui vient l'appuyer contre la rampe. C'est repris par Lavigne. Passe vers Demers. Attention, possibilité de 3 contre 2. Laisse pour Likachev. Likachev qui entre chez les Voltigeurs. Il est mis en échec par Gauthier. Il fait tomber. Attention dans l'enclave. Pinard tente de s'en emparer. Tire de Lavigne qui rate la cible. C'est repris par Lavoie du côté droit. Va remettre derrière le filet. C'est saisi par Likachev. Mise en échec solide à l'endroit de Likachev. Mais attention, Pinard reprend. Passe au point d'appui. Lavigne feinte le tir. Un tir qui rate la cible. Ça revient rapidement devant. Et là, Maroney, en bon vétéran, va conserver. Alors que Charlebois, là, quelques reproches adressés à Likachev qui n'a pas apprécié se faire frapper de la sorte. On va reprendre à la droite d'Anthony Maroney qui vient de voler au moins 2 buts à l'Armada au cours des dernières minutes. Quelle séquence pour Maroney. Une séquence difficile cependant en défensive pour la troupe de Steve Hartley. Avec 10-36 à faire au premier 20, toujours une égalité de 0-0. Trio de Charon, Scoobel et Giroir qui a provoqué les meilleures chances de marquer jusqu'à maintenant pour les Voltigeurs sur la patinoire. Qui est emporté par Charon. Scoobel envoie pour lui-même contre l'arme. Attention, va s'amener rapidement chez l'Armada. 2 contre 1 avec Giroir. Scoobel tente une passe vers Giroir, mais bête glissade. Bien synchronisé de la part de Tourigny. Charon, échec avant, s'amène. Scoobel maintenant tente une passe vers Giroir. Fait une chute. Attention, Charon tire contre Édouard Charon. Superbe jeu de Nicolas Giroir. Tout ça a démarré avec Brandon Scoobel qui va poursuivre sa séquence de match avec au moins un point. Un 8e match de suite pour l'attaquant des Voltigeurs. Du moins à première vue. Ouais, pas de doute là-dessus. Les 3 joueurs de ce trio vont récolter un point sur la séquence. Ça a été amorcé par Scoobal qui est venu mettre de la pression sur le porteur du disque. Il a remis vers Giroir qui, lui, a fait une chute. Cependant, il est en mesure de remettre vers Charon.
Alors voilà, c'est confirmé. Brandon Schumann qui poursuit sur cette séquence de matchs avec au moins un point. Huitième match de suite avec au moins un point pour le vétéran de 20 ans qui joue du très gros hockey par les temps qui courent. Et pendant qu'on faisait l'annonce du but, il y a Mathieu Charlebois qui a pris un bon tir au filet. On a poursuivi le bon travail en échec avant du côté des voltigeurs. Le trio à nouveau de Scoobel avec Giroir et Charon. Dégagement de l'Armada dans les mains de Minolfi au centre. C'est repris par l'Armada. La voix entre le disque chez les voltigeurs. Alors, on est libre derrière le filet. Élément s'amène. Passe dans l'enclave, là, une mauvaise remise. Attention au point d'appui. La voix un tir par-dessus la cible. La rondelle est libre le long de la rampe. Huard passe au point d'appui. Simoneau là, qui évolue sur la quatrième unité. Quel beau tir bloqué par Jack Campbell qui va retraiter au banc là, pour un changement. C'est Agostino là, qui a passé son tour sur la dernière séquence. La voix recule chez lui, là, cherche une option remise au centre. Trop longue et cette rondelle va glisser jusqu'à l'autre bout. C'est un dégagement qui sera refusé à la troupe de Bruce Richardson. On reprendra chez l'Armada avec 9 minutes 7 à faire au premier vent. Marque de 1 à 0 si jamais vous venez de vous joindre à nous. Édouard Charon, crédité du premier filet des Voltigeurs cet après-midi. Son 10e, plutôt 8e cette saison. Agostino là, à la mise en jeu. On a voulu sortir Simoneau des griffes du trio défensif de l'Armada. Peut-être pas de mauvaise décision. Dumont derrière le filet. Cherche une option. Remonte vers le point d'appui. Il a été appuyé contre la rampe. Agostino reprend. Agostino travaille là devant Lavoie. Ça va pris par Dafonseca. La remise vers Dumont. Dumont cherche une option. Dumont toujours le long de la rampe. Va remettre vers Agostino. Agostino fin devant le défenseur Lavoie. Vers le disque. Aidé par Dumont. Va remettre vers Agostino. Au point d'appui maintenant vers Dion. Dion transfère le disque pour Necla. Necla un tir dévié devant. Rondelle libre en coin de patinoire, c'est repris par l'Armada. Remise de Huard, mais directement sur le bâton de Dion. Dégagement de l'Armada, c'est à nouveau Dion qui est intervenu. Mais attention, la descente à 2 contre 1. Roy s'amène avec Blackdon. Roy du côté droit, un tir bloqué par Maroney. Retour dans l'enclave, bel arrêt à nouveau du bout de la jambière de Maroney. Un tir de la pointe bloqué en défensive par Dumont. Autre tir cette fois bloqué par Dion. Waouh, quel travail défensif de la part des voltigeurs. Les deux joueurs... ne s'en sortent pas indemne, ça semble avoir fait mal, du moins du côté de Dumont. Torini au point d'appui, un tir qui rate la cible. La rondelle est libre derrière le filet. Agostino s'amène, mais devancé par Huard. Rondelle qui sera récupérée par Necla. Necla envoie contre la rampe et ce disque va glisser à l'autre bout. C'est un dégagement qui ne sera pas toléré par les officiels. On reprendra à la droite d'Anthony Maroney avec 7,53 à faire au premier 20. Anthony Maroney qui est en pleine possession de ses moyens. Cet après-midi, jusqu'à maintenant, il a sauvé 3 ou 4 chances de marquer de l'Armada dans l'enclave, dans la zone dangereuse. Demers à la mise en jeu face à Charon. Emporté par Demers, soit pris par Lapointe au point d'appui. Lapointe rejoint par Dufour, tente de le mettre en échec. Voilà qui est fait, mais Lapointe poursuit dans une passe en enclave, interceptée par Charon, qui va remettre le long de la rampe vers Dufour. Il a tardé avant de s'amener. Oh, et là, Charon sera chassé, ouais, pour cause. Il a fait chuter l'attaquant Couture. Premier avantage numérique dans ce match, il ira du côté de l'Armada. L'Armada qui éprouve toutes sortes de difficultés en avantage numérique, 14% d'efficacité à peine au total, et à l'étranger, c'est épouvantable. 7,7% de réussite. 6 buts marqués en 78 tentatives. Les avantages numériques des voltigeurs est toujours 11e à 78,6%. 11 buts marqués à court d'un homme pour la troupe de Steve Hartley. Demers face à Simoneau à la mise en jeu. Remporté par Simoneau. Oui, on prend l'appui. Bikov là, qui perd le disque au maître Simoneau. Beau travail de Lapointe là, qui conserve la rondelle sur son bâton. Lapointe qui entre chez les voltigeurs. Place la rondelle derrière le filet. Ça roule contre la rampe. Récupération de Demers. Demers passe au point d'appui, mais directement sur le bâton de Simoneau. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la séquence? Qu'est-ce qu'on a vu? On va prendre en zone centrale. J'ai l'impression que cette rondelle a peut-être touché un joueur au banc de l'Armada avec 7-19 à faire au premier vent. 1-39 à l'avantage numérique de l'Armada. Les voltigeurs vont jouer 3 fois cette semaine. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard.
L'argent apporté par Girouard. Dégagement de Charlebois qui a fracassé son bâton. Là, doit s'amener rapidement au banc là, pour en prendre un autre. Voilà qui est fait. Sortie de la pointe, là, pour chasser par Girouard. Laisse derrière pour Hendon. Le capitaine de l'Armada qui s'amène pleine vitesse là, du côté gauche. Va battre des vitesses. Gauthier passe en enclave vers Likhatchev. Échappe le disque, le reprend. Likhatchev remonte au point d'appui. Vers la pointe. La pointe se déplace gauche-droite le long de la ligne bleue. La remise vers Likhatchev. Likhatchev tente une passe vers la pointe. Ça dévie sur un bâton. Demers qui envoie vers Hendon. Hendon vers la pointe. La pointe pour Likhatchev. Likhatchev, la remise pour Hendon. Hendon s'avance. Il va d'un tir bloqué facilement avec la mitaine par Anthony Maroney. On reprendra à la gauche du gardien de but de 20 ans. Donc le prochain match mercredi, alors que l'Océanique d'Alexis Lafrenière sera le visiteur. Également l'Océanique de Nicolas Gay, puisqu'il est maintenant un membre de l'Océanique à part entière. Par la suite, les Voltigeurs s'en vont en Abitibi pour deux matchs, vendredi et samedi, face aux Foreurs et face aux Huskies. En mise en jeu emportée par Corbin. Point d'appui, Tourigny. Transfert le disque dans l'enclave. Un tir. Quel arrêt de Maroney. Et sur le retour, Richardson n'a pas été en mesure de saisir le disque. Tourigny. La remise vers Pinard. Pinard vers Tourigny. Tire sur réception qui va rater la cible et cette rondelle va quitter le territoire. Et on va souffler un peu du côté des Voltigeurs. Pinard entre chez les Voltigeurs. Il est rejoint par Mekla. Menolfi derrière le filet. Beau travail là, de Menolfi qui tente d'immobiliser la rondelle. Attention, Richardson passe au point d'appui. Une remise pour Desgroseilliers qui renvoie vers Pinard. Pinard en haut du cercle gauche va remettre vers son coéquipier Corbeil. Corbeil dans l'enclave passe complètement raté. Le Nekla là, qui aurait pu dégager là-dessus en remis le disque exactement au défenseur. Passe transversale ratée. Cette rondelle va quitter le territoire. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Simoneau va s'amener rapidement. Ça va forcer Sanson là, à remettre derrière, mais directement sur le bâton de Simoneau. Simoneau qui attend un coéquipier tente de remettre vers Scoobal devant, mais cette rondelle a touché un patin. C'est repris par Tourigny. Mise en échec par Scoobal. Beau travail de Scoobal. La pénalité maintenant terminée. On est de retour à 5 contre 5. Moins de 6 minutes à faire au premier vent. Édouard Charon a marqué son 8e pour donner les devants aux Voltigeurs. Tourigny entre le disque chez les Voltigeurs. Sortie de Maroney. Envoie contre la rampe. Girouard va s'amener. Girouard qui tente de laisser là, pour Charon. Bagarre pour la possession. Mais il y a hors-jeu à l'entrée. Non, il y a 6 joueurs du côté de l'Armada. L'entraîneur-chef de l'Armada, Bruce Richardson, n'est vraiment pas content. Nous, on va s'arrêter. 1-0, les Voltigeurs, en avant. Avantage numérique, les Voltigeurs. Donc, on a été chassés chez l'Armada pour avoir eu un joueur en plus. L'avantage numérique des Voltigeurs cette année, 10e, 19,5% d'efficacité, alors que l'Armada est 16e en désavantage numérique, 75% de réussite pour la troupe de Bruce Richardson. Simoneau face à Edmund au cercle. C'est remporté facilement par Edmund. Lavoie. Remise contre la rampe et dégagement complété par Lacombe jusqu'à l'autre bout, sortie de Maroney. Met la rondelle vers Simoneau. Simoneau passe au centre vers Dion. Dion, il va d'une remise longue vers la pointe. N'a pas été en mesure de saisir. C'était difficile pour lui. Simoneau annule la sortie. C'est repris par Lavigne. Lavigne qui est mise en échec par la pointe. Tente de récupérer la rondelle entre les patins du défenseur de l'Armada. Simoneau vient s'en mêler. Et Campbell également. T'as 5 également là, pour la possession. Passe au point d'appui vers Da Fonseca. Da Fonseca a un tir qui est bloqué en défensive et cette rondelle va quitter le territoire. Beau travail de la part de Lacombe, ça lui a fait mal d'ailleurs. Da Fonseca passe vers Simoneau, entre du côté droit. Il est rejoint par Lavigne qui vient le mettre en échec. Campbell reprend. Campbell passe au point d'appui vers Da Fonseca. Da Fonseca qui se déplace le long de la ligne bleue. La remise vers Simoneau et vers Da Fonseca. Da Fonseca passe pour Dion.
Dion dans l'enclave. Campbell, un tir qui a touché la vigne. C'est repris par Dion. La voix tente un dégagement. Beau travail de la part de Fonseca. C'est agenouillé là, pour garder cette rondelle en territoire ennemi dans l'enclave. Remise de Campbell pour la pointe. N'a pas été en mesure de tirer. Simoneau, le long de la rampe. Rejoint par Edmund. On tente un dégagement. Voilà qui est fait jusqu'au centre. C'est saisi par Demers qui s'amène à un contre un devant La Fonseca. Demers, fin devant La Fonseca. Derrière le filet maintenant. Contrôle bien la rondelle. Demers qui finalement va perdre le disque et c'est La Fonseca qui reprend. 35 secondes à l'avantage numérique des Voltigeurs. Mais là, il n'y a personne pour saisir. Il y a eu un changement et heureusement, il y a eu une mauvaise remise. Attention, Charon vers Girouan. Entre chez l'Armada. On va s'installer là, en supériorité numérique. Dufour, le long de la rampe. Cherche une option dans l'enclave vers Scouban. De l'autre côté, tir à l'arrêt de Sanction sur Charon, là, à bout portant. Girouan vers Nickle. Tir bloqué dans l'enclave. Rondelle libre, Dufour. 10 secondes maintenant à l'avantage numérique. Nickle se déplace gauche-droite. Va remettre vers Dufour. Tir de Dufour, bloqué à nouveau dans l'enclave. Là. Ça semblait se diriger dans la partie supérieure gauche. Dufour vers Nickle. Pénalité maintenant terminée. Un tir bloqué par Sanson. Avec la mitaine, il ne donnera pas de retour, le gardien de but de l'Armada. On va reprendre sur sa droite avec 3 minutes 12 à écouler au premier engagement. Marque de 1 à 0. En faveur des Rouges, Édouard Charon. Le seul buteur dans ce match jusqu'à maintenant. L'Armada qui a eu quelques bonnes chances de marquer également de son côté. On reprend la gauche de Sanson. Campbell à la mise en jeu face à Edmund. Remporté par Edmund. Excellent au cercle des mises en jeu. Dimovski. Remise contre la rampe derrière le filet. Beau travail de Campbell. Tente une passe, ça dévie sur un patin et ça profite à Likachev qui décampe. Likachev. Remise vers Blagden. Blagden qui entre du côté droit. Un tir bloqué par Maroney. C'est Dumont qui va remettre contre la rampe. Edmund. Un tir faible bloqué par le gardien de but des Voltigeurs qui ne donnera pas de retour. On va reprendre à la droite du numéro 31. Vétéran de 20 ans, Anthony Maroney. Dans les autres matchs disputés actuellement dans la LHJMQ, je vous ai dit qu'il y en avait 4 autres au total. Toujours 0-0 l'égalité entre les Remparts et les Forains. Les autres matchs vont débuter à 16h. Les Saguenay sont à Baie-Comeau, les Moussettes à Gatineau et le Phoenix est à Victoriaville. Les enjeux emportés par Simoneau, mais c'est aussitôt repris par Edmund. Edmund remonte vers le point d'appui. Passe pour Desgroseilliers. Transfère le disque maintenant vers la vigne. Un tir bloqué en défensive par la pointe. Rondelle libre. Simoneau n'a pas été en mesure de s'en emparer. Likachev tente une feinte. C'est raté. Rondelle qui bondit au point d'appui. Lavoie envoie contre la rampe. Il y aura pénalité sur le jeu. Là, les Voltigeurs sont chassés. Est-ce qu'on va chasser les deux? Ouais, on va chasser les deux parce qu'on a sifflé l'arrêt de jeu alors que l'Armada est en possession du disque. Charlebois sera chassé. Et Likachev aussi. Likachev qui n'a toujours pas digéré la mise en échec de Charlebois tout à l'heure. Bruce Richardson, lui, demande des explications. Les deux officiels avaient des pénalités dans le bras. L'officiel Allary, lui, avait vu un 2 minutes sur Likachev, alors que l'officiel Leduc avait vu un 2 minutes à Mathieu Charlebois. On va prendre à la droite de Maroney pour Brandon Scuba. Il n'est plus qu'à un point du plateau des 100 points en carrière dans la LHJMQ. Lui qui a obtenu une passe sur le premier but et le seul but des siens jusqu'à maintenant. Campbell face à Demers au cercle. C'est remporté par Demers. Il envoie le disque entre les défenseurs cependant. Tourigny doit retraiter. Tourigny passe au centre vers Pinard. Pinard là, qui doit revenir sur ses pas. Il a perdu le contrôle du disque momentanément. Pinard protège bien. Il va entrer sur le côté gauche chez les Voltigeurs. Du hockey 4 contre 4. Campbell intercepte. Attention, on va remettre vers Simoneau. Simoneau va s'échapper complètement seul devant Émile Sanson. Simoneau tire. Arrêt de Sanson. Il a choisi rapidement là, son option, c'est-à-dire de tirer. Et Sanson, on dirait, l'avait bien lu. Il a immédiatement sorti la jambière droite pour effectuer l'arrêt. Demers passe dans l'enclave. C'est repris par Nacla. Attention, le Campbell aurait pu s'échapper. Mais beau travail de Demers avec le gant qui a rattrapé cette rondelle. Tourigny passe au centre vers Pinard. Rondelle qui dévie jusqu'à l'autre bout. Il y a des changements au banc de Bruce Richardson. Même chose chez Steve Hartley. Menolfi passe pour Scuba. Beaucoup trop longue. Reprise par Edmund. Edmund dans son territoire. Perd au main de Scuba. Scuba le feinte devant Edmund. Un tir rate la cible de peu à la gauche de Sanson alors que Giroir est en contact avec Sanson. Edmund entre chez les Voltigeurs, tente de se frayer un chemin dans les défenseurs, c'est raté. Girouan tente de sortir. Point d'appui cependant. Lavigne a conservé chez l'ennemi. Edmund
attaque toujours en vie pour l'Armada. La remise vers Bikov. Bikov remonte vers le point d'appui. Beau travail de la part de Gauthier qui est venu harponner. C'est Giroir qui va relancer. Giroir passe pour Dion. Franchit la ligne rouge, un tir en longue distance bloqué par Samson. Scoubin en échec avant. Lavigne va le devancer. La remise vers Desgroseilliers. Desgroseilliers qui a aperçu Edmond va lui remettre le disque. Il reste maintenant une minute exactement à faire au premier vent. 1-0, les voltigeurs en avant. Desgroseilliers. Fin devant Charon. Beau travail de Charon. Là. La remise pour Lavigne. Lavigne au centre vers Edmond. Renvoie vers Desgroseilliers qui recule chez lui. Desgroseilliers passe au centre vers Edmond qui lui voulait s'amener au banc là, pour un changement finalement pour le faire. Il renvoie vers Desgroseilliers. Desgroseilliers là, pourchassé par Charon. Remet le disque en coin de patinoire vers Lavigne. La Fonseca s'amène en échec avant également. Corbeil veut sortir. Les pourchassés là, par Charon doit revenir sur ses pas. Corbeil finalement passe derrière le filet de son gardien. Pourchassé cette fois par La Fonseca. Passe au centre, beaucoup trop longue pour Likachev. C'est Dion qui s'amène. Envoie contre la rampe. Simoneau renvoie attention vers La Fonseca. Avec Charon, possibilité de 2 contre 1. La Fonseca un tir bloqué par Samson. Avec la mitaine, conserve cette rondelle et va provoquer une mise en jeu sur sa droite. 19 secondes et 2 dixièmes à écouler au premier vent. Le sommaire va suivre. Ensuite, il y aura une pause pour nous mener vers le deuxième vent. Simoneau à la mise en jeu. Face à Corbeil. On va chasser Simoneau qui avait anticipé le geste de l'officiel. Les argent apporté par Corbeil. Lavoie. Envoie le long de la rampe. C'est repris par Charlebois. Charlebois envoie vers Campbell. Entre chez l'Armada. Un tir bloqué par Samson. On est libre derrière. Elle s'en récupérée le long de la rampe par Necla qui s'est avancé. 5 secondes à faire. Tente une passe dans l'enclave. Belle glissante de la part de Lavoie. Et c'est ainsi que va se terminer cette première période de jeu avec une avance de 1-0 pour les voltigeurs au tableau indicateur. Le seul but de cette période, l'œuvre d'Édouard Charon, son 8e. Il passe à Scoubal et Giroir. Pour Scoubal, il s'agit d'un 7e match de suite avec au moins un point. But marqué à 9-40. Au chapitre des tirs au but, 15-14 en faveur des voltigeurs. Ça va être une quinzaine de minutes. On vous revient avec la suite de ce match présenté au centre Marcel Dion. 1-0 les voltigeurs après 20 minutes de jeu. Vous écoutez le hockey Acier Drummond des Rouges sur la chaîne YouTube de l'équipe.
We'll be right back.
retour sur la rue Cockburn au centre Marcel Dion où les Voltigeurs ont pris les devants 1 à 0. Après les 20 premières minutes de jeu, l'œuvre d'Édouard Charon qui a marqué son 8e sur des passes de Scoobell et Girouan. 15-14 des tirs au but en faveur des Rouges après les 20 premières minutes. Pour débuter ce deuxième 20, c'est le trio de Charon en compagnie de Scoobell et Girouan, les arrières Gauthier et Charlebois. Bonne deuxième, mesdames et messieurs, voilà, c'est en route. Charlebois transfère le disque vers Gauthier. Gauthier au centre vers Charon, se contente de faire dévier à l'autre bout. Girouan s'amène rapidement et Sanson le doit intervenir avec l'arrivée rapide de Nicolas Girouan. Dans le seul autre match disputé au même moment à Val-d'Or, c'est l'égalité 0-0 entre les Remparts et les Foreurs. Il y a des matchs qui vont débuter dans une dizaine de minutes à Baie-Comeau, Gatineau et Victoriaville. On y reviendra avec des résultats un peu plus tard. Charon, le long de la rampe chez l'Armada. La remise de Scoobell dans un patinoir vers Girouan. C'est trop long. C'est Tourigny qui contourne le filet de son gardien. Tourigny, longue passe au centre vers Likachev. Edmond va s'amener rapidement. Il va donner un tir bloqué par Maroney. Remise de Gauthier vers Girouan. Rate le disque. Scoobell reprend. Scoobell qui est pourchassé par Bicom. Remise contre la rampe vers Charon. Charon passe vers Girouan. N'a pas été en mesure de saisir. Et c'est Luke Edmond qui intervient. Edmond, territoire central. Remise vers Likachev du côté gauche. Likachev tente une feinte devant. Nekla n'a pas mordu. Nekla s'amène derrière son filet, va remettre vers Dion. Dion transfère le disque devant vers Charon. Ça a touché le patin de l'officiel. Dafonseca envoie vers Dumont. Dumont veut entrer. Voilà, c'est fait par Dafonseca, mais il y avait enjeu à l'entrée du territoire de l'Armada. On va devoir reprendre le tout en zone neutre avec 19-03 à faire au deuxième 20. Marque de 1 à 0 en faveur des Voltigeurs. Une première période disputée. Gérard passe assez également. De part et d'autre, l'Armada a obtenu de bonnes chances. Anthony Maroney a été solide devant son filet. Du côté des Voltigeurs, ben, Édouard Charon a profité de la chance qu'il a eue. Et Sanson également a été en mesure de se distinguer. Mise en échec solide là, de Simoneau sur couture en territoire défensif. Lavoie derrière son filet. Simoneau s'amenait. Finalement, c'est la sortie. L'Armada au centre de Mers. Coupe vers le centre. Entre maintenant chez les Voltigeurs. Devant Dion. Beau travail de Dion là, qui est venu harponner. C'est Dafonseca qui s'amène. Dafonseca évite le contact de Lavoie. Perd le disque cependant. Et c'est Pinard. Longue passe au centre vers de Mers qui va s'échapper seul devant Maroney. Tire. Belle arrête. La mitaine. Anthony Maroney qui encore une fois se distingue. Connaît tout un match jusqu'à maintenant. Semble dans son élément le plus complet. Vraiment dans sa zone. Comme dirait l'autre, on va reprendre à sa droite pendant qu'il peut constater son œuvre au tableau indicateur alors qu'on montre la reprise vidéo. Campbell face à Richardson au cercle. C'est remporté par Campbell, mais c'est repris par l'Armada. Un tir du point d'appui, ça a été bloqué en défensive. Rouen, mise en échec par Minolfi. L'appui contre la rampe, là, il y a bagarre à 5 actuellement pour la possession, même 6 avec Dymowski. Richardson qui glisse sur un bâton, le bâton de son coéquipier Roy. Passe de Dufour, là, trop longue pour Dymowski. Cette rondelle va glisser jusqu'à l'autre bout. On considère là, qu'on aurait pu toucher du côté de l'Armada, donc il n'y a pas de dégagement refusé. Contre-attaque qui s'organise pendant. Roy entre chez les Voltigeurs. Mise en échec par Minolfi. Charlebois derrière le filet. Campbell se prépare à sortir. Va remettre pour Dufour. Dufour qui s'amène du côté droit, pousse la rondelle devant lui, derrière le filet maintenant. Dymowski s'amène. Devancé par Desgroseilliers, sorti qui va avorter puisque c'est l'intervention de Campbell. Passe derrière le filet. Dymowski doit faire vite. Desgroseilliers vient de mettre en échec. Dymowski protège la rondelle. Récupéré par Huard qui l'envoie contre la rampe. Mais Dymowski la garde en territoire ennemi. Campbell passe au point d'appui vers Gauthier. Tir de Gauthier bloqué dans l'enclave. On est libre le long de la rampe et dégagement de l'Armada jusqu'en territoire central. Ça tombe devant Kellen Gauthier. Passe pour Dion. Maintenant vers la pointe. La pointe qui entre chez l'Armada, seul de son camp. Fin de chute. Et c'est Tourigny qui va relancer. Tourigny protège le disque, l'envoie à l'autre bout, va s'amener même en échec avant. Agostino va le devancer toutefois. Et là, on a renversé Agostino et Tourigny sera chassé là-dessus. Sans l'ombre d'un doute, ça va provoquer un deuxième avantage numérique aux Voltigeurs dans ce match. 0 en 1 jusqu'à maintenant pour la troupe de Steve Hartley. S'il y a un point où l'on doit travailler, c'est au chapitre des mises en jeu. 16 contre 5 jusqu'à maintenant en faveur de l'Armada.
Entre autres pour Xavier Simoneau face à Luke Edmond. Ça n'a pas été facile. 6-7 Edmond, alors que Simoneau, lui, est 2-9. Et on reprend à la droite de Samson. Mise en jeu qui est remportée à nouveau par l'Armada. Dégagement de la pointe, intervention de Dion, point d'appui, un tir faible au filet de Samson qui intervient. Garde le disque dans sa mitaine prudemment alors qu'on s'amenait vers lui pour s'emparer d'un éventuel retour. On va reprendre au même point à la droite d'Émile Samson, troisième meilleur pourcentage d'efficacité de la LHGMQ cette année jusqu'à maintenant. L'enjeu emporté par Campbell. Dafonseca au point d'appui, remet vers Dion. Dion s'avance, remet vers Dafonseca. Feinte le tir, passe pour Simoneau. Simoneau vers Dafonseca. Dafonseca un tir dévié devant. On est libre dans l'enclave. Samson tente d'intervenir. Voilà qui est fait. Et on siffle l'arrêt de jeu. Il y aura remise en jeu à la gauche de Samson qui avait de la difficulté à s'emparer de cette rondelle qui était tout juste devant lui au pied de ses jambières. Un tir de Dafonseca du point d'appui qui lui a donné toutes sortes de difficultés, là. C'est évident qu'avec Samson, c'est au volume qu'on va le battre. C'est un bonhomme qui voit beaucoup de rondelles et qui en arrête beaucoup. On va chasser Campbell de la mise en jeu. Simoneau s'amène face à Corbeil. C'est remporté par Simoneau. Passe au point d'appui vers Dafonseca. Remet la rondelle du côté fort du côté gauche. Un tir là, qui dévie sur un bâton. La pointe. Remet vers Simoneau. Simoneau transfère vers Campbell et vers Simoneau. Simoneau, point d'appui vers Dafonseca. Se déplace. Un tir qui touche le bâton de Corbeil et dévie sur le filet protecteur. On va reprendre à la gauche du gardien de but Samson. Reste encore une 21 à l'avantage numérique des Voltigeurs et la pénalité de Miguel Tourigny, l'ancien des Estacades de Trois-Rivières. Pas très loin d'ici. D'ailleurs, parlant des Estacades, ils ont deux représentants au championnat, en fait, aux Jeux olympiques de la jeunesse en Suisse. Actuellement, hâte de voir comment ça va se terminer pour le Canada. Il y a 5 joueurs qui proviennent du circuit Midget 3 qui sont là-bas. Simoneau vers Campbell, puis vers Dafonseca, transfert pour Dion. Dion, un tir, rate la cible, la rondelle qui va aboutir. Attention sur le bâton de Edmond qui s'amène à 2 contre 1 avec Couture. Beau repli de la part de Dion toutefois. Un tir de Edmond bloqué par Dafonseca. Et là, Dion accroche le bâton. En fait, Couture accroche le bâton de Dion. S'en sort bien chez l'Armada. Sorti de la pointe pour Simoneau. Passe derrière vers Dafonseca. Dafonseca qui s'amène, progresse bien en territoire central. Entre maintenant chez l'Armada, du côté droit. Passe vers Campbell. Il y a de l'espace. Un tir. Bel arrêt de la part de Samson. La rondelle est toujours libre toutefois. Et finalement, Samson va intervenir en plongeant. L'officiel Leduc était bien positionné derrière le filet. Il était bien à côté là, sur le filet pour bien voir la séquence. Et quelle chance pour Isaiah Campbell. Laissé complètement seul dans l'enclave. Il a pris un bon tir des poignets. Samson a eu le dessus, mais il a donné le retour. Un tir vif de Isaiah Campbell. Et tout ça parce que Charlie Dafonseca fait un bel entrée en territoire ennemi. Et un gardien en confiance, c'est ça. On voit la reprise d'Émile Samson qui était bien au-delà de son demi-cercle pour effectuer l'arrêt. Mise en jeu emportée par les Voltigeurs, mais on a remis directement sur le bâton de Huard. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Nekla Sabat. Passe pour Dufour qui a raté la rondelle toutefois. Elle sera récupérée par Lacombe. Attention, là, Lacombe a de la vitesse, ça mène au filet. Beau travail de Neckland qui est venu harponner. Et ça descend de Scuba. Pour Charon qui va remettre vers Dufour. Dufour derrière vers Neckland. Feinte le tir, passe pour Charon. Charon là, qui attend que ses coéquipiers se positionnent. Passe au point d'appui vers Neckland. Transfert la rondelle maintenant vers Giroir. Giroir vers Neckland. Neckland qui cherche l'option. Demande à Dufour là, de permuter. Voilà qui est fait. Remise vers Dufour. Tire sur réception. La rondelle qui rate la cible. Pénalité maintenant terminée. Neckler envoie vers Giroir. Giroir arrête la glace. Un bon tir de la part de Giroir qui s'est servi de l'attaquant comme écran. Un bel arrêt de la part de Samson. Neckler envoie le disque à l'autre bout. Ce sera un dégagement refusé au Voltigeur. On va reprendre à l'autre bout. Avec 14:45 à écouler au deuxième bas. Toujours 1-0. Les Voltigeurs en avant. Les Remparts pendant ce temps ont pris les devants. Match présenté au Centre Air Québec de Val-d'Or. Les Remparts par... qui n'a toujours pas été confirmé.
Ça devrait être fait dans les prochaines secondes. Remise en jeu en partie par l'Armada. C'est Picard qui a tenté de prendre un tir en se retournant, mais c'est repris par Charlebois. Dégagement qui a touché là, Charlebois. Scooban envoie à l'autre bout. Il y a des changements commandés par Steve Hartley. La pointe saisit la remise de son gardien de but, Émile Sanson. La pointe envoie vers Tourigny. Tourigny qui dégage à l'autre bout. Gauthier, pas mis sur la rondelle, va transférer pour Charlebois. Charlebois passe rapide vers Dimovski. Dimovski, belle remise là, pour Simoneau qui s'amène chez l'Armada. Simoneau. Un tir bloqué par Sanson. Tir qui avait peu d'angle. Tentait peut-être un tir pour un retour. Chose certaine, le gardien de but de l'Armada a eu le dernier mot. C'est James Malatesta, jeune recrue de 16 ans, qui a marqué son 22e pour donner les devants au Rempart. Match face au Forard, c'est 1-0. Ici également, c'est 1-0. Édouard Charon, l'unique buteur dans ce match. Campbell à la mise en jeu face à Demers. C'est remporté par Demers. Des groseilliers. Passe long de la rampe, là, vers Couture, c'était un peu vif. Repris par Charlebois, renvoie chez l'Armada. Campbell laisse pour Agostino. Un tir bloqué avec la mitaine à nouveau par Sanson qui ne donnera pas de retour. On va prendre à la droite de Sanson qui jusqu'à maintenant a été bombardé de 20 tirs. On n'a même pas atteint la mi-période encore, donc la mi-match. 26 des tirs au but en faveur de la troupe de Steve Hartley. On a fait des ajustements au point de mise en jeu. Campbell qui a remporté sa dernière mise en jeu. On est maintenant à 19 contre 9 en faveur de l'Armada à ce chapitre. Agostino entre la rondelle chez l'Armada. Campbell en échec avant. Devancé par Desgroseilliers. Rondelle libre. Saisie avec la main par Blackdon qui a remis vers Demers. Demers là, qui perd le disque. C'est Jack Campbell qui, dans son territoire, va remettre vers Menolfi. Passe au centre vers Agostino. Agostino perd le disque, récupération de Campbell qui envoie chez l'Armada. Il y a des changements de part et d'autre. Sortie Jackson au centre vers Pinard qui envoie vers Demers. Attention, Demers a aperçu de l'autre côté. Tir qui provenait du bâton de Blackdon par-dessus la cible cependant. Simoneau passe pour Da Fonseca. Da Fonseca s'amène pleine vitesse chez l'Armada. Da Fonseca tente un tir. Il a tenté de servir du défenseur comme écran. C'était Jackson qui était passé devant lui. D'ailleurs, il sera chassé. L'officiel Alary a tout vu avec 13 minutes 6 à faire au deuxième but. On va s'arrêter 1-0. Les voltigeurs en avant après la pause. Avantage numérique, les Rouges. Troisième avantage numérique pour les voltigeurs qui vont débuter le tout en territoire ennemi. À la droite de Sanson, remise en jeu Campbell face à Corbeil. Mise en jeu importante pour Campbell à nouveau. Beau travail cependant de Corbeil qui va compléter le dégagement, mais ça a touché un joueur au banc des voltigeurs. Il y aura remise aux gens en territoire central. C'est Gabriel Jackson qui a été chassé. Sur la dernière séquence, les voltigeurs n'ont pas été en mesure de profiter des deux premiers avantages numériques. Et finalement, la remise en jeu a lieu à la droite de Sanson. Les joueurs de l'Armada qui contestent. Ça n'y changera rien, alors que Corbeil va s'amener sur la patinoire. Il fera face à Campbell à nouveau à la mise en jeu. Il y a 4 secondes d'écoulées au jeu de puissance des voltigeurs à peine. C'est emporté par Campbell. La pointe n'a pas fait assez vite. Cependant, attention, c'est Corbeil qui décambe. Tenter de battre de vitesse Da Fonseca. Va remettre vers Edmond. Tire contre. But marqué en désavantage numérique. Quel travail
de Benjamin Corbin, l'ancien des Voltigeurs qui vient hanter son ancienne formation. Et Luke Edmond a tout vu, lui. Il a pris de la vitesse de son territoire en voyant Corbin s'amener. Une longue passe vers Edmond qui a profité d'un changement de direction du gardien de but, Anthony Maroney, de la gauche vers la droite pour loger ce disque dans la partie supérieure. Et l'égalité est créée. C'est 1 à 1. Et ça, habituellement, ce sont les Voltigeurs qui jouent ce genre de tour. Les buts en infériorité numérique, on le sait, ils en ont 11 depuis le début de la saison. Mais cette fois, ben, c'est l'Armada qui leur a joué le même tour. Avantage numérique, les Voltigeurs en territoire de l'Armada. Dufour remet vers Nekla. Nekla transfère le disque vers Giroir, tire sur réception. C'est stoppé. Hey, Nekla, plutôt Dufour qui s'amenait pour le retour, mais cette rondelle était bondissante. Là, attention, là, on va s'échapper. C'est Edmond à nouveau en désavantage. Edmond tire de la mitaine de Maroney qui va remettre la rondelle vers Nekla pour Scooben. Attention, Edmond à nouveau là, dans l'enclave. Passe vers Desgroseilliers. Un tir contre. Et Desgroseilliers qui marque un deuxième but en infériorité numérique. Ben, quel revirement de situation. Deux buts marqués à 5 contre 4 par l'adversaire. Et ça, c'est le bon travail du capitaine Luke Edmond qui vient de jeter une douche d'eau froide sur le centre Marcel Dion. Et surtout sur une belle performance d'Anthony Maroney qui a été déjoué deux fois dans la partie supérieure sur des tirs, il faut le dire, à bout portant. Ah, mise en jeu emportée par l'Armada. Dégagement de la pointe jusqu'au centre où Da Fonseca est posté. Da Fonseca la remise vers Simoneau. Simoneau qui entre chez l'Armada. La pointe dans l'enclave. Tenté de prendre un tir, ça a été stoppé cependant. Et Da Fonseca qui n'a pas été en mesure de conserver le disque en territoire ennemi. Dion chez lui. Passe au centre vers la pointe, entre du côté droit. La pointe passe dans l'enclave vers Simoneau qui a de l'espace. Un tir contre Xavier Simoneau! But marqué en avantage numérique. On est de retour à la case départ, c'est 2 à 2. Et Simoneau là-dessus s'est servi du défenseur comme écran. Il a pris un tir entre les jambières du défenseur et Samson n'a rien vu. Et c'est 2 à 2. Un sixième point en trois matchs pour Xavier Simoneau. Et ça remet les compteurs à zéro. On est presque à mi-match avec 11-24 à faire au deuxième 20. Mise en jeu emportée par l'Armada. Lavoie chez lui. Transfère le disque au centre. C'est saisi par Corbeil. Mise en échec par Charlebois. Scoobel entre chez l'Armada. On est libre. Charlebois un tir complètement raté par-dessus la cible. Campbell et Lapointe qui obtiennent des mentions d'aide sur le filet de Simoneau. Jackson chez lui. Passe au centre vers Roy. Il fait dévier plus loin. On s'est repris par Richardson qui remet à l'autre bout. Charlebois va se poster derrière son filet. Va remettre vers Giroir. Rate le disque qui s'est repris par Scuba. Et des changements là, commandés par Steve Hartley. Jackson passe au centre vers Corbin. Sortie de Maroney. Va rejoindre Dumont. Dumont sorti de territoire, on remet directement sur Bikov. Attention, c'est repris par Edmond. Edmond passe pour Likachev. Rate le disque, cette rondelle va quitter le territoire. Jackson transfère la rondelle vers Tourigny. De mauvaise remise. Attention, la Campbell s'amène avec Dumont. Possibilité de contre-un. Oui, il y a hors-jeu.
Et Campbell a raté le disque en entrée de territoire. Il s'en veut. Il y avait une possibilité de 2 contre 1 en compagnie de Dumont. Mais ça ne s'est jamais avéré. On va prendre en zone neutre devant le banc de l'Armada. Campbell à la mise en jeu. Face à Edmund, c'est emporté par Campbell. Attention, le Gauthier doit se méfier de Edmund. Ouais, là, okay. Gauthier a tâté au visage et Luke Edmund sera chassé sans l'ombre d'un doute. Il le sait d'ailleurs, il se dirige directement au cachot. Et ça, c'est un quatrième avantage numérique pour les Voltigeurs. Ils ont marqué une fois. Il y a quelques secondes à peine, 1-3. Et c'est un 2 minutes pour Luke Edmund. On va reprendre à la droite d'Émile Samson. 22-20, les tirs au but en faveur des Voltigeurs. Match excessivement serré. À l'image, d'ailleurs, de leur classement et de leurs fiches respectives, quand on regarde les statistiques, c'est à s'y méprendre comment ces deux clubs-là se ressemblent. Au niveau du style de jeu également. Mise en jeu apportée par Corbin. Dégagement de l'Armada jusqu'à l'autre bout. Voilà, son centre vers Simoneau, une passe qui est trop longue, cependant, dégagement complété par l'Armada. La Fonseca derrière son filet. Va remettre vers Dion. Dion passe au centre vers Campbell, n'a pas été en mesure de saisir. Dufour doit faire vite, là, avec bataille avec Lavigne. Lavigne qui prend contrôle de la rondelle, on tente un dégagement. Et cette remise va aboutir dans les mains d'Antoine Demers, qui complète le dégagement jusqu'à l'autre bout. 35 secondes écoulées au jeu de puissance des Voltigeurs. Campbell passe pour Da Fonseca. Entre chez l'Armada. Da Fonseca toujours avec le 10, passe derrière le filet. Tourigny tente un dégagement. Dion intervient, bien fait là, au point d'appui. Dion s'avance au cercle de mise en jeu. Va remettre vers Dufour et vers Dion nouveau. Dion passe au point d'appui vers Da Fonseca. On est bien positionné là. La remise vers Simoneau est précise pendant. Simoneau garde la rondelle, passe dans l'enclave. Cette rondelle dévie sur un bâton. Un tir bloqué par Samson. C'est repris par Simoneau. Passe au point d'appui vers Da Fonseca. Da Fonseca remet vers Dion et vers Da Fonseca. Da Fonseca là, qui passe pour Simoneau, un tir sur réception, touche l'extérieur du filet. Dufour au retour, tente une passe au point d'appui complètement ratée. Attention, là, c'est Tourigny qui va s'amener avec Couture, possibilité de 2 contre 1. Beau repli de la part de Simoneau toutefois. Passe dans l'enclave vers Couture, n'a pas été en mesure de compléter. Et c'est Campbell qui va relancer. Campbell pour Dufour, entre du côté droit, passe pour Agostino. Reste 30 secondes à l'avantage numérique des Voltigeurs. Agostino tente de se frayer un chemin le long de la rampe. Giroir vient lui prêter main forte, s'empare de la rondelle. Giroir là, passe vers Agostino au point d'appui, mais cette rondelle va glisser jusqu'en territoire des Voltigeurs. Onekle sera posté. Timon Onekle passe pour Charon. Entre du côté droit, place la rondelle derrière le filet. Samson tente lui-même un dégagement. Onekle est bien posté au point d'appui cependant. Passe pour Giroir. Giroir voulait remettre vers Charon, mais dégagement complété par Lacombe. Et c'est ainsi que va se terminer l'avantage numérique des Voltigeurs. Voilà, Luke Edmund est de retour sur la surface de jeu. Sorti vers Agostino, il a raté le disque. On revient chez l'Armada. Moins de 7 minutes 35 maintenant à faire au deuxième vent avec une égalité de 2-2. Roy entre la rondelle chez les Voltigeurs. Charlebois tente de reprendre la rondelle qui est dévie devant et c'est Necklin là, qui va passer avec la main vers Giroir. C'est repris par Charlebois. Belle passe vers Scoubin. Entre rapidement chez l'Armada. Belle fin devant la pointe. Attention, Scoubin dans l'enclave. Un tir! Rate la cible. Quelle manœuvre de Brandon Scoubin. Remise vers Giroir. Giroir derrière le filet. Ah, dégroseillé à ses trousses. Giroir toujours. Remonte au point d'appui. Passe pour Dumont. Dumont qui va remettre vers Charon. Charon vers Dumont. Position du carrousel. Dumont tente de revenir dans l'enclave. Dumont tente un tir complètement raté. Et intervention d'Émile Samson qui garde la rondelle dans sa mitaine. On reprendra à la gauche du gardien de but de l'Armada. Moins de 7 minutes à écouler au deuxième vent. Un excellent match de hockey cet après-midi au centre Marcel Dionne. 25-19 les tirs au but en faveur des Voltigeurs. Et je regardais tantôt l'Armada en désavantage numérique. Maintenant, 8 buts marqués à court d'un homme. Campbell, le long de la rampe, chez l'Armada. Passe derrière le filet, c'est intercepté par Jackson. Jackson place la rondelle pour son coéquipier Lavigne. Lavigne veut sortir par la rampe. Gauthier s'est avancé, garde le disque chez l'Armada. Campbell tente de remettre vers Dumont.
Disque toujours disponible. Admon veut dégager, mais c'est à nouveau Gauthier. Là. Campbell, le long de la rampe, il y a un contact là, solide avec Lavigne. Passe derrière le filet vers Jackson. Jackson rejoint par Dimovski. Bon échec avant des voltigeurs. Là. Quatrième trio qui fait du bon travail actuellement derrière le filet. Jackson tente d'immobiliser, semble exténué. Là. Et c'est finalement la sortie de Lukanman. Passe au centre. Ça glisse jusqu'au filet d'Anthony Maroney qui va intervenir. Garde dans sa mitaine avec l'arrivée rapide là, de deux joueurs de l'Armada. Début d'escarmouche, le Gauthier qui n'a pas apprécié que Likhachev converge vers le filet. Il y a intervention des officiels, ça n'ira pas plus loin. On va prendre à la droite d'Anthony Maroney dans les autres matchs disputés ce soir dans la LHJMQ. Résultat de deuxième également au centre Air Québec. C'est maintenant 1-1 l'égalité entre les Remparts et les Foreurs. Alors que les Olympiques ont pris les devants 1-0 à domicile face aux Moussettes. Demers face à Charon au cercle des mises en jeu. C'est remporté par Charon. Benolfi sert de la baie vitrée. Rondelle qui aboutit de devant Demers, ça fend du l'air, mais la toute fin tout de même conservée. Passe de l'autre côté à l'endroit de Pinard, c'est raté. Giroir au centre, perd le disque. On met Pinard. Pinard qui lui perd à son tour. C'est Dion qui va remettre vers Giroir. Giroir a aperçu Charon, tente de remettre vers Scoobel. Tourini tente un dégagement. Intervention de Dion, point d'appui. D'une seule main, pousse vers Giroir. Giroir dans l'enclave, devant le filet vers Scoobel. Tire et compte! Édouard Charon! Marque son deuxième filet du match et c'est 3-2. Encore une fois, le trio de Scoobel, Giroir et Charon qui vient embêter l'Armada et les Voltigeurs reprennent les devants par un. Superbe présence du trio de Giroir, Scoobel et Charon. Un neuvième pour Charon et nous on va s'arrêter. L'égalité 2-2, on est en deuxième au centre Marcel Dion. À faire au deuxième match, les Voltigeurs reprennent les devants par un grâce au filet d'Édouard Charon. Et on a gardé la rondelle, non pas pour Charon, mais pour Scoobel. Lui qui, avec la passe qu'il récoltera dans les prochaines secondes, amasse un centième point en carrière dans la LHJMQ. Confirmation avec notre ami Guilherme. Qui rate la cible à la droite, à gauche de Maroney. Simoneau au retour. Il a été accroché. Là. S'en sort bien. Simoneau frappé solidement également par Huard. Dufour s'amène. Pousse la rondelle à l'autre bout. Premier sur le disque, c'est dégrosaillé. Rejoint par Dufour qui vient le mettre en échec. Da Fonseca vient aider son coéquipier. Alors que Element s'avance là, pour garder le disque en territoire ennemi. La pointe tente un dégagement. Voilà qui est fait. Un lob jusqu'à l'autre bout. Et c'est Simoneau qui s'amène. Simoneau passe vers Nekla, complètement raté. Un tir bloqué par Lacombe. Voilà, Simoneau s'en veut. Erreur mentale, là, il vient féliciter et surtout dire merci à son gardien de but, Anthony Maroney, qui a effectué l'arrêt là-dessus. Alors qu'on confirme au tableau indicateur le centième point en carrière de Brandon Scoobel. Quelle belle acquisition que Brandon Scoobel, quand même. Un bonhomme qui s'est amené à Drummondville via le marché des agents libres. Bonhomme qui jouait en Ontario et qui rend de précieux services aux Voltigeurs alors qu'on demande là, d'accélérer les changements au banc de l'Armada. On va
prendre à la gauche d'Anthony Maroney. Il reste 4,45 à écouler au deuxième vent. 3-2 les voltigeurs, je vous le rappelle. Charon face à Likhachev au cercle. Ça avait été remporté par Likhachev, mais cette rondelle a fait un drôle de bond là, sur un joueur des voltigeurs. Sortie de Charon. Belle remise de Charlebois. Scoobel entre du côté droit. Tente de placer pour Charon dans l'enclave vers Giroir qui était un peu plus haut là, dans, sur la séquence. Passe au point d'appui. Scoobel remet vers Charlebois. Un tir bloqué par Samson. Un bon tir de Charlebois, mais directement dans la poitrine du gardien de but de l'Armada. 25e arrêt déjà pour le portier de 20 ans. Fait 24e. Alors, une soirée, un après-midi de travail à s'occuper pour M. Samson. Ah, tu as eu beaucoup de tirs de part et d'autre. 27-21 en faveur des voltigeurs actuellement. Charon face à Likhachev. Remporté par Charon. C'est Jackson là, qui a bondi sur la rondelle. Pousse à l'autre bout après avoir franchi la ligne rouge. Sortie de Maroney. Envoie contre la rampe. Giroir en sortie de territoire. Ça a touché le patin de Likhachev et c'est Scoobel qui décampe. Passe pour Giroir. Giroir entre chez l'Armada. Place pour Charon. Là, mais beau repli de la part de Hanman, le capitaine de l'Armada là, qui est venu saisir cette rondelle. Passe pour Likhachev. C'est raté. Territoire central devant le banc de l'Armada, c'est Charon. Mise en échec, dégagement de l'Armada jusqu'à l'autre bout. Gauthier s'amène. Rejoint par Likhachev qui vient le mettre en échec. Passe pour Charlebois. Sortie pour Scoobal. Scoobal qui traverse la zone centrale, entre chez l'Armada. Alors que Bicom a perdu son bâton. Passe derrière le filet vers Giroir. Giroir rejoint par Demers, tente une passe devant vers son coéquipier Campbell. Récupération de Desgroseilliers qui va remettre pour Bicom. Bicom. Passe du côté droit vers Demers. Demers qui est rejoint par Element. Beau travail, là, va lui soutirer la rondelle. Et c'est Dimovski qui entre chez l'Armada. Passe pour Dumont. S'arrête au cercle de mise en jeu. Freine devant Tourigny. Fait demi-tour. En fond de territoire maintenant. Remise vers Campbell. Passe au point d'appui vers Element. Element remet vers Neckle. Neckle perd le disque au main de Pinard. Attention, là, Pinard va s'amener seul devant Maroney. Pinard, fin de tir. Arrêt de Maroney. Et au retour, on a tenté de remettre devant, mais ça n'a pas fonctionné. L'Armada qui conserve le disque en territoire ennemi, mais là, l'intervention d'Anthony Maroney, Pinard qui a voulu s'emparer du disque alors que le coup de sifflet venait de se faire entendre. On va reprendre à la droite d'Anthony Maroney. Encore une fois, Pinard a raté une belle chance de créer l'égalité s'amenant seul à la suite d'une erreur de Timon Nekla. En fait, c'est une passe un peu chaotique de Charles-Antoine Élément qui effectue un retour au jeu ce soir. Dans le cas d'Élément, il avait raté déjà. En fait, il avait raté plusieurs matchs à la suite de cette blessure. Il n'avait pas joué, en fait, depuis le 7 décembre. Donc, plus d'un mois et demi dans le cas d'Élément comme absence. Remise de Scoobal contre la rampe. La pointe mise en échec par Giroir. En fin de chute, Scoobal va s'amener. Tourigny vient le mettre en échec. Scoobal, là, qui protège bien le disque. Par la rondelle, finalement, sortie de Pinard. Pinard, un lob, attention, qui va bondir tout juste devant Corbeil. Beau travail de Dion, là. Dion va sortir au centre. Avait aperçu Dufour, cependant, n'a pas été assez rapide là, pour réagir. Et on va reprendre chez les voltigeurs avec 2 minutes 36 à écouler au deuxième vent. 3-2 la marque en faveur des rouges. Charon à deux, Simoneau à l'autre. Encore une fois, merci d'être là sur la chaîne YouTube des Voltigeurs. Remise en jeu emportée par l'Armada. Au point d'appui, c'est Tourigny. Jongle avec le disque. Le remet derrière le filet vers Corbeil. Corbeil, mise en échec par Dion. Conserve tout de même la rondelle. Tente de remonter vers le point d'appui. Le Corbeil passe derrière le filet finalement. C'est repris par Minolfi. Passe vers Dufour. Dufour qui voulait remettre vers Dafonseca. Voilà qui est fait. Dafonseca tentait de remettre à son tour vers Dufour. Il n'a pas été en mesure de saisir. Finalement, passe vers Simoneau. Tire de Simoneau qui rate la cible. Dufour entre en territoire ennemi. Tente de placer la rondelle au point d'appui. La rondelle n'a pas voulu suivre. Dufour avec Dafonseca. Dafonseca là, qui cherche une option le long de la rampe. Beau travail. Il va remettre vers Dufour dans l'enclave vers Simoneau. Ça a été intercepté par Tourigny. Demers, contre-attaque qui s'organise. On entre le disque. On pousse à l'autre bout et Maroney va sortir. Remise contre la rampe, ça bondit là, directement dans les mains de Simoneau. On lui a fait perdre son bâton. La Fonseca avec le patin. Là. Finalement, Simoneau va s'amener au bas pour un changement. Richardson tente d'entrer chez les voltigeurs. Menolfi. C'est repris par Corbeil. Corbeil qui rejoint par Gauthier.
sortie vers la pointe qui va s'amener à 2 contre 2 avec Dufour qui, lui, cependant, va retraiter vers le banc pour un changement. Tir de la pointe, bien fait. Bonne idée. Avec les changements au banc, va surtout provoquer une mise en jeu en territoire offensif avec une 28 à faire au deuxième banc. Salutations à nos habitués. Malcolm, John Big Deer, Peter Bild également. Benoît aussi. Qui est là à peu près tous les matchs des Voltigeurs. On vous en remercie. Les agents emportés par Campbell. Agostino l'a voulu surveiller son vis-à-vis à l'aile gauche. Pendant l'Armada a repris le disque. Passe au centre. Neckler reprend la rondelle. Fait une chute. Roy va en profiter, tente une passe, mais directement dans les mains de la pointe, renvoie à l'autre bout. Échec avant de Campbell. Des gros ailiers, ça mène le premier. Passe vers Jackson, remise complètement ratée. Agostino l'a bousculé le long de la rampe. Et sortie de Richardson. Richardson qui entre du côté gauche, devant Nicklin. A passé le bâton au visage, s'en sort bien. Sortie de Charlebois, on va remettre vers la pointe. La pointe là, qui perd le disque et c'est Neckler qui reprend. Elle joue un peu là, mollement là-dessus, la pointe. Pas le temps de se faire marquer là, en fin de deuxième période. Dégagement de l'Armada jusque chez les Voltigeurs. C'est Mathieu Charlebois qui, devant son gardien, s'installe. Passe contre la rampe. Tentait de rejoindre la pointe. C'est repris par Scoobel qui entre rapidement chez l'Armada. On est venu l'harponner. Scoobel pousse à l'autre bout. Giroir vient mettre en échec la voie. Edmund maintenant se prépare à sortir. Fait demi-tour avec l'arrivée de Charon. Longue passe au centre vers Likachev. Likachev tente une remise vers son coéquipier Bikov. Attention, on est libre. Et c'est Charon, beau repli de la part du joueur de centre des Voltigeurs. Giroir entre le disque chez l'Armada. Les dernières secondes qui s'écoulent actuellement. Il reste 5 secondes. Charlebois qui a été accroché là-dessus. Quelle mauvaise pénalité de Yaroslav Likachev en fin de deuxième période avec une seconde et 8 dixièmes à faire au deuxième 20. Peut-être le temps d'un tir pour les Voltigeurs qui vont fort probablement démarrer la troisième période avec l'avantage d'un homme. Likachev, lui, n'est pas content du tout. Là, on va reprendre chez l'Armada. On va retirer Anthony Maroney à la faveur de sixième joueur sur la patinoire. Quatre attaquants, deux défenseurs. On va tenter de prendre un tir rapide au filet. Charon à la mise en jeu face à Demers. Là, on va s'assurer que le temps au tableau indicateur est le bon. Voilà, on est prêt à reprendre. Charon face à Demers. Et Dufour est en position, lui, pour tirer. Et finalement, il y aura un tir au but bloqué par Samson. C'est ainsi que va se terminer cette deuxième période de jeu au cours de laquelle, quand même, il y aurait eu pas mal d'action. 4 buts au total. D'abord, Luke Edman avec son 16e, un but marqué en infériorité numérique sur une passe de Corbeil à 7-0-6, crée l'égalité 1-1. 40 secondes plus tard, Samuel Desgroseilliers, encore une fois en infériorité numérique, marque son 5e. Edman et Lacombe sont complices. C'est 2-1 l'Armada à ce moment. Mais toujours au cours du même avantage numérique, les Voltigeurs vont marquer, créer l'égalité 2-2. C'est Xavier Simoneau qui va inscrire son 23e, dépasse à Lapointe et Campbell. Et à 14-11, Édouard Charon avec son 9e, son 2e du match, redonne l'avance à son équipe 3-2. Scoobal et Giroir qui obtiennent une 2e mention d'aide chacun sur le filet inscrit par Charon à 14 minutes 11. Au chapitre des tirs au but, total 28-22 en faveur des Voltigeurs. C'est 13 contre 8 pour la troupe de Steve Hartley au cours de la période médiane. On va s'arrêter une quinzaine de minutes. Le temps de prendre une petite pause et vous revenir avec la troisième période de ce match disputé âprement ici au centre Marcel Dionne. 3-2, les Voltigeurs en avant après 40 minutes de jeu. Vous écoutez le hockey Acier Drummond des Rouges à l'antenne de la chaîne YouTube.
On va entreprendre la troisième période dans les prochaines secondes au centre Marcel Dionne avec une marque de 3-2 en faveur des Voltigeurs qui ont marqué deux fois au cours de la période médiane. Même chose pour l'Armada d'ailleurs qui a marqué deux buts en avant désavantage numérique. L'œuvre de celui qui est au centre actuellement, Luke Hanman également de Samuel Desgroseilliers. Simoneau et Charon ont aussi marqué pour les Voltigeurs. Avantage numérique d'ailleurs en ce début de troisième. La pointe qui entre en territoire ennemi, cependant, va perdre le disque. C'est Hanman qui s'amène. Faites le tir. On a un tir par-dessus la cible. La rondelle qui va rouler contre la rampe. Ça va glisser jusqu'à l'autre bout. Où Lavigne s'amène le premier. Lavigne envoie contre la bévitre. Attention, là, Hanman va s'échapper seul devant Anthony Maroney. Encore une fois, Et Luke Hanman qui vient tromper la vigilance de Anthony Maroney. J'en perds mes mots. Un troisième but accordé à court d'un homme par la troupe de Steve Hartley. On avait complètement oublié Luke Hanman. Trois buts en désavantage numérique. C'est énorme pour l'Armada qui crée l'égalité 3-3. Charon la mise en jeu face à Demers. Remporté par Charon, repris par Mnekla. Mnekla qui envoie vers Dufour. Dufour qui entre du côté gauche et l'Armada. Dufour au cercle de mise en jeu. Passe au point d'appui vers Mnekla. Il se déplace, va remettre vers Dufour. Dufour qui perd le disque dans l'enclave. Attention, la possibilité de 2 contre 1. Oui, voilà, on s'amène à 2 contre 1. Demers avec Lavigne. Demers, un tir. Bel arrêt du bout du bloqueur d'Anthony Maroney. J'ai dit Lavigne, mais c'était bel et bien Lacombe qui s'amenait avec Demers. Mecklin transporte la rondelle en territoire central. Va remettre vers Charon. Entre du côté gauche. Passe vers Dufour. Dufour vers Charon. La rondelle dévie sur un patin. Dégagement de l'Armada jusqu'au centre. Mecklin remet vers Giroir. Giroir remet vers Mecklin à nouveau. Reste 43 secondes en avantage numérique. Un tir de Dufour. Bloquant défensif par la pointe. Ça lui a fait mal, ça. Attention, on va s'amener en désavantage numérique à nouveau. Là, c'est Huard du côté droit. Tenter une remise vers la pointe, ça dévie sur un bâton. Disque libre, Skubal va remettre vers Nickle. Il reste 26 secondes à la punition de Likachev. Nickle transporte le disque en territoire central. Lob à l'autre bout, là, et on est exténué du côté des Voltigeurs. Un dégagement complètement rapide de Jackson, et c'est Simoneau qui est intervenu le long de la rampe. Passe au point d'appui vers Gauthier. 10 secondes maintenant, l'avantage numérique. Un tir de Gauthier par-dessus la cible. Charlebois s'avance. Garde la rondelle en territoire ennemi. Derrière le filet vers Dafonseca. Dafonseca rate sa remise vers Simoneau. Il a été frappé par la pointe au même moment. Campbell derrière le filet tente de servir de sa longue portée. Finalement, la remise pour Lacombe qui lui passe au centre vers Hanman. Entre chez les Voltigeurs. Vers le disque, Gauthier reprend. Il va remettre vers Simoneau qui lui passe vers Campbell. Ça revient à Simoneau. Simoneau frappe devant Couture. Entre chez l'Armada. Simoneau. Toujours en possession de la rondelle. Remonte au point d'appui. Tente une remise vers Charlebois. Ça dévie sur un patin alors que Dafonseca s'amenait. Richardson passe là, qui est intercepté par Charlebois. Va remettre vers Simoneau. Place la rondelle en fond de territoire pour Dafonseca. Ça a été intercepté par Richardson. Dufour. Plutôt Dumont annule la sortie. Un tir du revers qui rate la cible. Dembowski au retour. Dembowski passe le long de la rampe vers Campbell. Place la rondelle pour Dumont. Dumont rejoint par Roy. On doit l'abandonner, c'est Campbell qui s'en empare. Passe au point d'appui vers Dion. Dion, un tir contre la rampe. On tente de tirer devant. Dembowski qui a fendu l'air, c'est Lavoie qui a repris. Bataille à 4 pour la possession en coin de patinoire. 17-0-3 à faire au troisième vent. L'égalité 3-3. L'Armada a marqué un troisième but en désavantage numérique et un dégagement qui sera refusé à la troupe de Bruce Richardson. On reprendra à la droite de Émile Sanson. 29-24 les tirs au but en faveur des Voltigeurs. Dans les autres matchs disputés cet après-midi dans la LHJMQ, 1-1, l'égalité entre les Remparts et les Forts, début de troisième. 1-0 le Drakkar, début de deuxième face au Saguenay. 3-0 maintenant les Olympiques, un tir dévié là, devant le filet, un tir de Gauthier du point d'appui, du Coubert, là, de l'espace. Un tir bloqué par Sanson du bout de la jambière droite. Contre-attaque qui s'organise pour l'Armada, Gauthier cependant. Intervient Charon, voulait remettre vers Giroir, c'est trop long et c'est Jackson qui va relancer pour l'Armada. Jackson au centre, passe intercepté par Skubal. Descente à 2 contre 1 avec Charon. Lui remet le disque, un tir bloqué par Sanson et Giroir s'amenait pour le retour, mais n'a pas été en mesure de prendre un bon tir au filet. Nickle
Un tir bloqué par Samson. Retour devant. Giroir se fait voler du bout de la jambière. Il va un tir sans angle de l'arrière du filet qui a touché l'extérieur du filet. Territoire central. Giroir derrière son filet. On va laisser pour Gauthier des changements au banc de Steve Hartley. Kellen Gauthier posté derrière le filet de son gardien. L'attaque, ses coéquipiers se positionnent. Longue passe au centre vers Dafonseca. Dafonseca voulait remettre vers Simoneau. Ça dévie sur un bâton. La pointe là, doit se méfier de Simoneau. On va chasser Simoneau là-dessus. Pas certain qu'il y avait matière à infraction. Là. Alors que Tourigny là, et Dufour en viennent au coup. Là, mais les deux joueurs ont encore leurs gants. Et Dufour là, qui... C'est gâté sur Tourigny qui avait seulement laissé tomber un gant. J'ai hâte de voir l'appel des officiels là-dessus. Dans le cas de la pointe, j'aimerais revoir la reprise. Je ne sais pas si on va nous la montrer. On va nous la montrer, voilà, au tableau indicateur. La pointe change de direction derrière le filet et Simoneau lui donne une légère poussée. La pointe, lui, est toujours en compagnie du thérapeute de l'Armada, Francis Denis, derrière le filet d'Émile Samson. Là, les officiels se parlent devant le banc des marqueurs. On va voir quelle décision on va prendre. Là. Que va-t-on donner comme... pénalité. Bon, Dufour, lui, s'en est pris à Tourigny. Mais Tourigny l'a frappé également. Dufour a lâché ses deux gants. Tourigny lui en restait un. La pointe s'est relevée. Là, retourne péniblement au banc des siens. Semble s'être fait mal aux côtes. Il y a toujours conciliabule là, devant le banc des marqueurs. On consulte les juges de ligne. Du côté des officiels Nicolas Leduc et Jonathan Allary pour prendre la meilleure décision possible. Surtout avec une marque de 3 à 3, ben, à vrai dire, ça devrait toujours être de la même façon. Il ne devrait pas y avoir de situation plus périlleuse ou situation plus embarrassante que d'autres. Quand il y a pénalité, il y a pénalité, peu importe le score. Comme on l'a bien vu d'ailleurs au championnat mondial junior, moi c'est ce que j'ai trouvé intéressant de l'arbitrage. C'est que peu importe la marque, on ne faisait pas de différence au niveau des appels. Là, vraiment, on met beaucoup de temps à prendre une décision. Bon, finalement, Nicolas Leduc semble être en mesure de faire son appel à l'officiel. Il devrait y avoir avantage numérique l'Armada, puisque... deux joueurs au banc des punitions pour les voltigeurs. Qu'est-ce qu'on va donner à William Dufour? Je pense que c'est là où on s'interrogeait. Et là, l'officiel Allary est en discussion avec Steve Hartley, en train de lui expliquer la décision qu'on a rendue. Est-ce qu'on va chasser Dufour du match? Oh, il y a un 5 minutes pour William Dufour. Dépression à l'Armada numéro 89, Miguel Tourigny, 2 minutes pour Rudess. Au voltigeur numéro 81, Xavier Simoneau, 2 minutes pour abandonner la bande. Et au numéro 28, William Dufour, 5 minutes pour avoir été l'agresseur et extrême et conduite de partie à 4 minutes. Oh, ça fait mal. C'est un 5 minutes pour William Dufour. Une extrême inconduite de partie pour avoir été l'agresseur. Et ça, c'est un désavantage numérique de 5 minutes. Heureusement, là, l'Armada n'a pas fait de grandes choses à ce chapitre depuis le début de la saison à l'étranger. Ils étaient à 7,7% avant le match de ce soir. Ça ne s'est pas amélioré ce soir, 0 à 1. Mais là, c'est un moment drôlement important dans le match, là. Du hockey 5 contre 4 pendant 5 minutes.
Et on va envoyer Jack Campbell là, pour plonger les 5 minutes. On va être par reprendre donc à la droite d'Anthony Maroney après cet intermède d'environ 3-4 minutes. Là. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Sortie de Lavoie. Ça mène au centre. Lavoie qui entre du côté gauche. Elle a été frappée par Gauthier en entrée de territoire. C'est Charlebois qui s'empare de la rondelle et dégage lui jusqu'à l'autre bout. Edmund Samet, bon travail de Charon d'échec avant là, qui a, lui a ravi la rondelle pour un court instant. Edmund place la rondelle derrière le filet pour Lavoie qui redémarre. Lavoie en territoire central. Pousse le disque sur le flanc gauche. Là, personne pour saisir. Et c'est Charlebois qui va pousser vers Scoobin. Je commence à comprendre pourquoi on a de la difficulté en avantage numérique de la sorte là, du côté de l'Armada. Bon. Charon le long de la rampe avec le patin tenté de dégager l'intervention de Lavoie. Passe vers Edmund. Edmund passe pour Lavoie. Ça a été touché par Demers. Demers renvoie vers Edmund, puis vers Lavoie. Lavoie, un tir de Likachev là, qui a été bloqué en défensive par Gauthier qui va compléter le dégagement jusqu'à l'autre bout. Il y a plus d'une minute d'écoulée au jeu de puissance de l'Armada. 14-40 à la troisième période. 3-3 à l'égalité. Le match est sur la ligne. 3 buts en infériorité numérique, rappelons-le, pour l'Armada. Likachev. Passe du côté gauche vers Edmund, complètement raté comme entrée de territoire. Et c'est Dumont qui décampe. Dumont mise en échec par Likachev. Likachev derrière le filet, contourne et sort du côté droit. Likachev a aperçu Edmund. Va lui remettre le disque en entrée de territoire vers Demers. Demers harponné et Dumont va compléter jusqu'au centre. Et c'est Desgroseilliers qui va reprendre. Desgroseilliers laisse pour Edmund, pour chasser par Campbell. Edmund qui entre le disque chez les voltigeurs du côté gauche, s'arrête en fond de territoire. Devant Menolfi qui le met en échec. Ça bondit dans les mains de Richardson. Remise vers Edmund. Edmund passe en enclave vers Corbeil. Campbell a perdu son bâton et Menolfi va s'emparer cette rondelle et va la déblayer jusqu'à l'autre bout. Il y a plus de 2 minutes maintenant d'écouler au jeu de puissance de l'Armada. 2 minutes 50 pour être plus exact à la pénalité qui a été purgée par Jack Campbell. Desgroseilliers. Remise à la remorque. Vers Pinard. Pinard qui entre. Remet du côté droit vers Corbeil, rejoint par Scoobal qui l'a fait chuter. Charlebois tente un dégagement. La remise le long de la rampe. Scoobal qui n'a pas vu le disque, c'est Pinard qui s'en empare. Pinard cherche une option. Bon travail de Scoobal. Il va s'amener à un contre un devant Desgroseilliers. Il va s'arrêter. Il est en fin de présence. Dégagement jusqu'à l'autre bout. 2 minutes 18 à la supériorité numérique de l'Armada qui, je ne crois pas, a pris un seul tir là, au filet de Anthony Maroney. Richardson, derrière le filet. Tente de protéger. Le Desgroseilliers qui s'est avancé pour appuyer l'attaque. Passe au point d'appui vers Roy. Roy transfère le disque vers Corbeil. Corbeil passe en coin de patinoire vers Pinard qui va perdre la rondelle. Et dégagement de Dumont à nouveau jusqu'à l'autre bout. 1-48 au jeu de puissance de l'Armada. Heureusement que l'Armada n'est pas une puissance à chapitre. Imaginez 5 minutes, pas un seul tir à date. Attention, là, Edmund a bien failli s'échapper. Et là, Anthony Maroney qui conserve le disque dans sa mitaine. On va reprendre à la droite du gardien de but vétéran de 20 ans, alors que Simoneau et Tourigny sont de retour sur la patinoire. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Steve Hartley. Simoneau s'en va directement sur la patinoire en compagnie d'Isaiah Campbell. Campbell à la mise en jeu. Frappe face à Demers. Que les officiels sont allés chercher un protège-coup au banc de l'Armada qui appartenait à un joueur des Voltigeurs. Voilà, on est prêt à reprendre. Donc, remporté par l'Armada. Au point d'appui, c'est Tourigny. Remise le long de la rampe. À nouveau vers Tourigny. Tourigny déplace la rondelle vers Edmund. Edmund vers Tourigny, le droitier. On va remettre vers Likachev. Likachev dans l'enclave. Passe complètement ratée. La rondelle qui est passée entre deux joueurs. Edmund passe vers Tourigny. Tourigny renvoie vers Likachev.
Les Kachev là, cherchent une option et Minolfi va compléter le dégagement jusqu'à l'autre bout. Le Samson doit sortir alors que Simoneau s'amène le premier en échec avant. Passe le long de la rampe vers Likachev. Il reste 1 minute 7 à la pénalité de Dufour qui a été chassé du match. Et Campbell qui purge ce 2 minutes. Attention, le Scoobell qui va s'emparer du disque devant Edmund a tenté de faire une feinte. Ça n'a pas fonctionné. Attention, Likachev maintenant. Entre chez les voltigeurs. La remise vers Tourini qui a pu l'attaquer un tir. Rate complètement la cible. On est libre en coin de patinoire. On passe au point d'appui. Saisi par Likachev. Likachev un tir qui rate la cible. La rondelle qui bondit contre la rampe. Intervention de Tourini au point d'appui. Tourini remet le long de la rampe vers Demers, une passe vers Edmund complètement ratée. Là, il reste moins de 40 secondes maintenant à l'avantage numérique de l'Armada. Edmund entre chez l'Armada, chez les voltigeurs. La remise vers Demers. Demers au point d'appui, mais beau travail de la part de Scoobell qui fait dévier cette rondelle sur le banc des visiteurs. On reprendra à la gauche de Anthony Maroney. 2094 personnes qui se sont présentées au match d'aujourd'hui au centre Marcel Dion qui sera le théâtre du prochain match des voltigeurs d'ailleurs mercredi. L'océanique d'un certain Alexis Lafrenière qui sera de passage à Drummondville. Les argent emporté par Corbeil, mais beau travail de la part de Charon qui va compléter le dégagement jusqu'à l'autre bout. Le Sarson laisse la rondelle derrière. Beau travail de la part de Dumont. Il est venu harceler la voie. Elle passe vers Desgroseilliers. Les dernières secondes qui s'écoulent, imaginez à 5 minutes, on n'a pas pris un seul tir au filet d'Anthony Maroney, à moins que je me trompe. Corbeil passe pour Pinard. Pinard renvoie le disque en coin de patinoire. Ça a été touché par Charlebois. Et dégagement complété. Voilà, fin du jeu de puissance de l'Armada. Les voltigeurs ont tenu le coup pendant 5 minutes. Pas un seul but, pas un seul tir. Lavoie passe au centre. Cette rondelle qui va dévier sur le banc de l'Armada. On va s'arrêter. 10-44 à faire au troisième banc. 3-3 à l'égalité. Zone centrale, 6-44 au tableau. Campbell, Da Fonseca et Simoneau dans la mêlée. L'argent emporté par Campbell. Dion envoie vers Menolfi. Menolfi va servir de la rampe, rejette vers Simoneau qui dégage jusqu'à l'autre bout. Sortie de Samson. Envoie le long de la rampe là, vers Couture. Dion intervient au point d'appui. Un tir qui rate la cible. La rondelle est libre derrière le filet. C'est Lavigne qui va s'amener. Passe vers Couture, complètement raté. Le beau travail de la part de Dion qui rejette au filet l'intervention de Samson qui va conserver dans sa mitaine. On va reprendre à la droite du gardien de but de l'Armada. Et ça pourrait être un point tournant dans le match. Là, le 5 minutes écopé par Dufour où l'Armada n'a pas été en mesure de rien faire. Ça pourrait faire la différence en bout de ligne. Vous me direz, les 3 buts en infériorité numérique de l'Armada pourraient faire la même chose. Je vous répondrai absolument. L'argent emporté par Campbell, Dion, point d'appui. Il va en un tir, c'est bloquant défensif par Lacombe. Lacombe là, qui jongle avec le disque, tente de remettre plus loin. Campbell passe derrière le filet vers Simoneau, mais c'est Lapointe qui a devancé. Bon, bonne nouvelle là, pour l'Armada. Lapointe est de retour en santé après avoir fait une mauvaise chute contre la rampe derrière le filet. Campbell, sortie de territoire au centre. Tente de remettre vers Da Fonseca en entrée de territoire chez l'Armada. Campbell pousse plus loin avec la main. Beau travail de Campbell. Là. Campbell servi par sa longue portée. Passe devant le filet. Simoneau n'a pas été en mesure de saisir. Contre-attaque qui s'organise. Lacombe entre du côté droit. Il est frappé solidement par Dion d'entrée de territoire. Menolfi, beau travail là, sur Roy. Fait une chute cependant. Il conserve la rondelle. Va remettre derrière le filet vers Dion. Orlando Menolfi, c'est un bonhomme qui s'améliore à chaque match. Campbell
entre le disque chez l'Armada. Sortie de Samson, on va laisser pour Lapointe. Moins de 10 minutes à faire au troisième banc. Toujours 3 à 3. Lapointe remet vers Roy. Roy qui feinte vers le centre. Entre chez les Voltigeurs. La remise vers Likachev. Feinte devant Gauthier qui vient mettre en échec. Gauthier passe pour Scuba. Scuba remet vers Giroir. Giroir qui perd le disque. Attention, Bikov va remettre vers Likachev. Complètement seul dans l'enclave. Beau repli de la part de Scuba qui est venu intercepter cette remise. Attention, le mauvais jeu de la part de Giroir. Remet directement sur le bâton de Likachev. Bikov en se retournant n'a pas été en mesure de tirer. Bataille pour la possession. Derrière le filet. On est à 4 actuellement. Là. C'est Edmund finalement qui a le dessus. Passe vers Likachev. Au point d'appui vers Lavigne. Lavigne tire contre la rampe. Ça bondit dans les mains de Nicolas Giroir qui va sortir du côté gauche. Giroir tente de sortir, mais directement sur Edmund. Edmund reçoit la remise de Likachev. Remonte au point d'appui. Permutation de position avec son défenseur Lavoie. Edmund passe en coin patinoire vers Likachev. Likachev feinte sur Giroir. Superbe feinte. Et c'est Anthony Maroney qui aura le dernier mot finalement. Va reprendre à la droite du gardien de but des Voltigeurs qui est intervenu là-dessus. Mauvaise présence pour Nicolas Giroir. Il s'en veut. À 3 reprises, il avait l'occasion de sortir la rondelle du territoire. Incapable de le faire. On va prendre à la droite d'Anthony Maroney. Match sur la ligne au centre Marcel Dionne. Isaiah Campbell face à Demers. C'est emporté par Demers. Corbeil rejette derrière le filet du revers. Menolfi va s'amener. C'est repris par Pinan. Pinan remonte au point d'appui vers Desgroseilliers. Un tir bloquant défensif par Campbell. Nacle. Passe contre la rampe. Ça tombe dans les mains de Corbeil au centre. Corbeil du revers va remettre vers Pinan qui envoie l'autre bout. Menolfi doit se méfier. Il y a deux joueurs de l'Armada qui s'amènent. Menolfi passe vers Nacle. Nacle feinte devant Corbeil. Tente de s'amener du côté droit. C'est Demers là, qui est intervenu. Passe pour Corbeil. Corbeil remonte vers Desgroseilliers. Il y a de l'espace pour lui. Desgroseilliers, un tir bloqué par Maroney. Demers était prêt à s'emparer du retour. C'est ce qu'il fera. Passe au point d'appui vers Desgroseilliers. De l'autre côté, maintenant vers Lapointe. Feinte de Lapointe devant Dumont. Il a perdu le disque. Dimovski incapable de sortir. Pinard, mise en échec par Campbell. Demers au cercle de mise en jeu. La remise pour Pinard, ça a été intercepté par Campbell, ça tombe dans les mains de Dimovski qui va finalement réussir à sortir la rondelle du territoire. Dégagement en lob jusqu'à l'autre bout. Ça bondit en coin de patinoire. Timon Nekla. Passe vers Dion. Dion qui échappe la rondelle. Ça profite, attention, à Lacombe qui s'amène du côté droit. Lacombe passe dans l'enclave vers Richardson. C'est une passe qui était trop longue. Da Fonseca rate le disque. Un tir qui rate la cible du point d'appui. Simoneau maintenant retour. Simoneau directement dans les patins là, de l'attaquant Richardson. Pousse derrière le filet. Dion doit faire vite. Richardson s'amène en échec avant. Une seulement vers Simoneau qui lui va remettre vers Nekla. Nekla passe pour Lapointe. Lapointe franchit la ligne rouge et rejette à l'autre bout. Il y a sortie de Samson. Samson qui est rejoint par Dafonseca. A failli se faire jouer un tour. Simoneau remet à nouveau derrière le filet. Richardson protège le disque. La remise de vers Lavigne. Lavigne pourchassée par Lapointe. Lapointe d'une seulement. Au point d'appui vers Dion. Tir de Dion qui a été bloqué en défensive par Roy. C'est repris par Gauthier. Gauthier, la remise vers Dion. Devant le banc de l'Armada. Passe vers Simoneau, intercepté par Richardson. Il y a contre-attaque là, de Roy qui s'organise du côté droit. Belle feinte de Roy d'entrée de territoire, mais il va perdre la rondelle. Da Fonseca revient sur ses pas. Passe vers Gauthier, franchit la ligne rouge. Il entre chez l'Armada. Il y a des changements au banc de Steve Hartley. Lavigne, derrière son filet, rejoint par Giroir qui vient le mettre en échec. Simoneau en profite, passe devant le filet. Il n'y a personne pour saisir et c'est Lacombe qui va s'emparer de la rondelle. Un lob jusqu'à l'autre bout. 6 minutes 22 à faire au troisième vent. 3 à 3 l'égalité. Longue passe de Dion vers Charon. Fait dévier derrière le filet. Giroir s'amène. Passe derrière vers Scuba. Scuba remonte au point d'appui. Scuba remet du revers derrière le filet vers Charon. Charon protège bien devant Edmund. Passe pour Giroir. Giroir, à nouveau la remise au point d'appui vers Charlebois. Pousse la rondelle derrière le filet. Edmund est positionné là. Scuba tentait de s'en emparer, mais c'est la sortie de l'Armada. Dans les mains de Charlebois. Là. Attention, c'est Likachev qui va s'amener avec Bikov. Likachev, un tir par-dessus la cible. La rondelle bondit au point d'appui, mais elle va échapper à l'attaquant. Attention, c'est Giroir qui s'amène avec Scoobal. Giroir vers Scoobal. Belle glissade bien synchronisée de la part de Tourigny. On tente une passe dans l'enclave. Charon reprend derrière le filet. Charon remet vers Dion qui s'est avancé. Rondelle sautillante, ça bondit devant, ça dévie sur un patin. Dumont passe au point d'appui, mais directement dans les mains de Likachev. Attention, là, il y a Bikov qui était positionné entre les deux défenseurs. Aurait pu filet seul au filet. Lavoie rejoint par Dumont qui vient le mettre en échec. Ça profite à Dimovski. Dimovski
Remet à l'arrière du filet. Ça roule au point d'appui. C'est Gauthier qui va s'amener. Passe vers Dumont, imprécise. Reprise par Lavoie. Passe le long de la rampe alors que Dion s'est avancé. Gauthier dans son territoire. Passe contre la rampe. Laisse pour Campbell. Campbell plus loin vers Dumont. C'est trop long. C'est repris par Lavoie. Lavoie va remettre devant le banc de son équipe. Corbeil complète le dégagement. Moins de 5 minutes à faire au troisième 20 maintenant. Gauthier, longue passe vers Dumont. Beau travail de ce dernier. Il entre chez l'Armada. Dumont tente une passe vers Dimovski. Bête glissant de la part de Demers. C'est Corbeil là, qui décampe. C'est repris par Nacla chez lui. On va contre la baie vitrée. Corbeil renvoie le disque vers Pinard. Disque libre. Dumont va s'en emparer. Dumont tente de remettre plus loin. C'est raté, mais attention, c'est repris par Desgroseilliers au point d'appui. Un tir qui rate la cible. Et Anthony Maroney qui a saisi avec le gant. On va s'arrêter. 88 à faire au troisième 20. L'égalité 3-3. On est prêt à reprendre à la gauche de Anthony Maroney avec 80 tout à faire au troisième 20. On rappelle que les Voltigeurs ont une victoire en quatre sorties cette année face à l'Armada qui a remporté d'ailleurs les trois derniers duels entre les deux formations. Simoneau fait face à Corbeil au cercle des mises en jeu. Emporté par Simoneau. Charles Lebois envoie directement là, sur Pinard. Fin de Pinard devant Menolfi, derrière le filet. Menolfi ne lâche pas d'une semaine. Tente une passe devant. Charles Lebois s'amène pour sortir. Va remettre vers Simoneau qui lui choisit une passe vers Dafontica. Vers Simoneau maintenant. Simoneau du côté droit. Entre chez l'Armada. Il fait demi-tour en territoire central. Renvoie du revers chez l'Armada. Ça a touché le juge de ligne. Un lob de Corbeil qui tombe dans les mains de Charles Lebois. Au centre vers Dafontica. Qui a réussi à harponner. La rondelle est très sautillante en fin de période. La remise vers Menolfi. Menolfi qui envoie l'autre bout. La rondelle roule contre la rampe. Desgroseilliers va s'amener. Pourchassé par Dafonseca. Charon le long de la rampe. Seul de son camp. Il y a des changements au banc de Steve Hartley. Bien joint par Charon. Attention vers Scoobel. Tire! Oh! Ça rate la cible de peu. À la droite d'Émile Sanson. Gauthier renvoie vers Scoobel. Scoobel au point d'appui vers Necklund. Passe qui est imprécise cependant. Cette rondelle va glisser chez les Voltigeurs. C'est repris par Charon. Charon, là, qui a tardé avant d'entrer en territoire ennemi. Giroir, la défensive du côté gauche. On va reprendre en zone centrale. Vous dire que les Chiefs de Kansas City de Laurent Duvernay-Tardif, le Québécois, mènent 21-17 au troisième quart face aux Titans du Tennessee. Un peu plus tard, les Packers de Green Bay visiteront les 49ers à San Francisco. L'argent emporté par l'Armada à Tourigny. Franchit la ligne rouge. Entre chez les Voltigeurs, sorti de Maroney qui va décider de conserver avec l'arrivée rapide là, de Tourigny qui s'amène en échec avant. Pas de chance à prendre avec une marque de 3-3. Remise en jeu à la gauche d'Anthony Maroney. Avec la présence du trio de l'heure chez les Voltigeurs, celui de Charon, Scoobel et Giroir. Qui ont deux buts cet après-midi. Dégagement de Gauthier au centre. C'est saisi par Tourigny. Passe vers Lavigne. Sortie de Maroney. La remise vers Gauthier qui bondit par-dessus son bâton. Edmund passe au point d'appui vers Tourigny. Tire dévié devant et Maroney qui saisit avec le gant pour provoquer l'arrêt de jeu. On reprendra la gauche du gardien de but des Voltigeurs.
Prise d'argent emportée par les Voltigeurs. Dégagement de Gauthier jusqu'au centre. Ça tombe dans les mains de Torini qui remet vers Lavigne. Lavigne vers Edmund. Dégagement qui sera toléré. On dit que ça a touché l'attaquant de l'Armada. Bataille pour la possession. En coin patinoire chez les Voltigeurs. On est à 4 actuellement. Là. Un tir de Likhachev faible au filet de Maroney qui à nouveau conserve. Il y aura une autre remise en jeu à la gauche d'Anthony Maroney. On va se diriger vers une prolongation. L'Armada s'est rendu 6 fois en prolongation du côté des Voltigeurs. 3 présents seulement. Mais 3 victoires. Une en prolongation et 2 en tir de barrage. Attention, entrée Simoneau vers Dumont. Tire contre! Charles-Antoine Dumont tire dans la lucarne et c'est 4-3. Et il fallait parler de prolongation pour que les Voltigeurs dénouent l'impasse avec un peu plus de 2 minutes à compléter au troisième 20. Tire sans avertissement de Charles-Antoine Dumont. Et Xavier Simoneau va récolter une passe là-dessus. Celui qui a été le joueur étudiant du mois de décembre et du mois de novembre qui vient de jeter une douche d'eau froide sur le banc de l'Armada, mais surtout vient de revigorer les partisans des Voltigeurs. À mise en jeu emportée par Blainville. Dégagement, tir frappé à l'autre bout, sorti de Maroney. Attention, là, directement dans les mains de l'attaquant Pinard. Alors, 17-27, Menolfi et Simoneau qui récoltent des mentions d'aide sur le troisième de Dumont. Et il y a eu dégagement refusé à la troupe de Steve Hartley, donc tout le monde doit rester là. Moins de 2 minutes à faire au cadran, 1:55. On va surveiller Émile Sanson pour être rappelé au banc. Et finalement, temps d'arrêt demandé par Bruce Richardson. Sans surprise, avec une marque de 4-3. Un but qui sortait un peu de nulle part que celui de Charles-Antoine Dumont. On ne s'y attendait pas du tout. Une entrée de territoire traditionnelle, mais Dumont a choisi un tir en haut du cercle des mises en jeu. Un tir dans la lucarne qui a battu Émile Sanson. Et c'est 4-3. 1:55. À faire dans ce match. 26 arrêts pour Anthony Maroney jusqu'ici sur 29 tirs. Sanson, lui, a cédé à 4 reprises sur 35 tirs. Est-ce qu'on va le rappeler au banc immédiatement? Ça semble être le cas. Voilà, c'est confirmé. On va y aller à 6 chez l'Armada. Charon, Scoubel, Giroir, Charlebois et Gauthier pour cette mission importante en défensive. Argent emporté par l'Armada. Torini envoie vers Likhachev. En haut du cercle de mise en jeu. Likhachev à nouveau vers Torini. Torini, la remise vers Edmund. Puis vers Lapointe et vers Edmund. Au cercle de mise en jeu. Passe au point d'appui vers Torini, vers Lapointe. Lapointe envoie vers Edmund. Pas d'ouverture actuellement. Là. Lapointe, il a d'espace d'un tir bloquant défensive. Attention, là, c'est Scoubel qui tentait de combiner le dégagement, mais ça n'a pas réussi. C'est Likhachev qui a repris. Likhachev derrière vers Demers. Demers tente une passe là, vers Edmund complètement raté. Et c'est Giroir qui va s'amener avec le disque. Passe au centre vers Scoubel, un peu long. Et Lapointe va récupérer derrière son filet. La remise de Giroir devant vers Charon qui a fracassé son bâton dans un filet désert. Il allait marquer son troisième du match. Oh, c'est décevant pour Charon qui était à quelques pouces de son premier tour de chapeau en carrière. Torini envoie la rondelle directement dans les mains de Charlebois qui va d'un dégagement. Et Dumont là, va s'amener le premier. Tente une passe devant vers Campbell. Lapointe semble exténuée. Sortie de Edmund. Passe vers Torini. 48 secondes à faire au troisième 20.
Charlebois tente de le mettre en échec. Tourigny, une remise à contre-courant. Dumont s'amène. Dumont passe vers Simoneau. Simoneau mise en échec solidement par Lavoie. Et Simoneau semble s'être fait mal. Et là, on va chasser Charlebois pour obstruction, alors qu'on a décidé de ne pas sévir à l'endroit de Lavoie sur Simoneau. Et Steve Hartley dit à l'officiel qu'il y avait un bâton élevé. J'ai tendance à être en accord avec lui en plein centre de la patinoire, mais c'est de l'autre côté que Nicolas Leduc a appelé la pénalité. Là, c'est du hockey 6 contre 4. Et on va reprendre à la droite d'Anthony Maroney. Là, ça corse les choses. 33 secondes à faire au troisième 20, 6 contre 4. Mise en jeu importante pour Charon. C'est remporté par Charon. Menolfi tente un dégagement, mais ça a été touché au passage par Hammond. C'est repris par Demers. Beau travail de la part de Menolfi. Charon veut compléter, mais n'a pas été en mesure de le faire. Demers au point d'appui vers Tourigny. Tourigny envoie vers Lavoie, tir sur réception qui a été bloqué. C'est Scoober là, qui s'empare du disque. Et dégagement qui n'est pas complété. Beau travail de Tourigny. Là. Gauthier tente de reprendre, mais il rate. Hammond dans l'angle. C'est con! Yaroslav Likhachev. À l'image de ce que les Golden Knights de Vegas ont fait hier au Canadien, marque avec 7 secondes et 7 dixièmes à faire au cadran. Et l'égalité créée 4 à 4. Les Voltigeurs étaient à 7 secondes d'une 27e victoire cette saison. Selon toute vraisemblance, ce match ira en prolongation. Même si Steve Hartley n'est pas du tout content, ça n'y changera rien. Alors voilà les deux équipes qui viennent de consolider un point chacun. On s'en va en prolongation. Septième présence pour la troupe de Bruce Richardson. Fiche jusqu'à maintenant de 3 victoires, 2 défaites et 1 défaite en tir de barrage pour les Voltigeurs. C'est une 4e présence, 1 victoire en prolongation et 2 autres en tir de barrage. Une pause d'une minute, on va s'arrêter quelques instants direct du centre Marcel Dion de Drummondville. On s'en va en prolongation 4 à 4 après les 60 minutes de jeu réglementaire. On va être prêt à débuter cette période de prolongation à 3 contre 3 durant 5 minutes. Qui va déléguer Steve Hartley, c'est ce qu'on verra dans les prochaines secondes. Jacob Dion lui saute sur la surface de jeu. Simoneau également. Et qui sera le troisième? C'est Brandon Scoobal. L'Armada va opposer Luke Hanman, Yaroslav Likhachev, l'auteur du but égalisateur, et Yann-Félix Lapointe, du hockey toujours très excitant à 3 contre 3.
L'argent remporté par les Larmada, mais beau travail de la part de Scuba qui s'amène rapidement un tir. Arrêt de Sanson. Retour en coin de patinoire. Scuba s'en empare. Va remettre en contre-courant. Simoneau va battre de vitesse là, la pointe en coin de patinoire. Beau travail là, de Simoneau. Une passe avec le patin vers Dion. Conserve le disque en territoire ennemi. La remise vers Scuba. Dans l'enclave, tentait de rejoindre Simoneau. Mais attention, là, il y a revirement créé. Edmund s'amène du côté gauche avec Likachev. Fin de Edmund. Tire contre. Et Luke Edmund met fin à ce match. Autre victoire de l'Armada face aux Voltigeurs, cette fois au compte de 5 à 4. Quatrième victoire en 5 sorties pour la troupe de Bruce Richardson face aux Voltigeurs. Allons-y de ce pas avec le sommaire du match. Premier but inscrit par les Voltigeurs à 9-40, celui d'Édouard Charron. Des passes à Scoubel et Giroir, c'est 1 à 0 après les 20 premières minutes de jeu. À 7-06 du deuxième engagement, Luke Edmund en désavantage numérique avec son 16e. Passe à Corbeil, c'est 1 à 1. À 7-46, 40 secondes plus tard, Samuel Desgroseilliers va marquer son 5e. Toujours en infériorité numérique. Des passes à Edmund et Lacombe. Mais avant la fin du deuxième temps, les Voltigeurs vont marquer deux fois pour reprendre les devants. D'abord à 8-36, Simoneau, son 23e en avantage numérique sur des passes de Lapointe et Campbell. À 14 minutes 11, Couban et Girois obtiennent leur deuxième mention d'aide du match sur le 9e d'Édouard Charron. C'est 3 à 2 après 40 minutes. On se transporte au troisième vent à la 24e seconde. Luke Edmund marque son 17e, crée l'égalité, passe à Lavigne, but marqué à nouveau en désavantage numérique. À 16-59, Charles-Antoine Dumont réplique avec son 3e. Cette saison passe à Simoneau et Menolfi. C'était à ce moment 4 à 3. Mais avant, à la toute fin du match, à 7 secondes et 7 dixièmes en avantage numérique, Likachev, son 24e de Edmund et Tourigny, but marqué en avantage numérique, alors que l'Armada évoluait à 6 contre 4. Voici maintenant le plombier du match. Alors voilà pour les trois étoiles du match de ce soir. Edmund la deuxième, la première à Charron et la troisième à Dumont. Ce qui complète notre reportage aujourd'hui. 18e pour Luke Edmund. C'est lui qui a le filet gagnant. On se retrouve mercredi. Le scénic de Rimouski d'Alexis Lafrenière sera de passage ici au centre Marcel Dion. Marque finale 5 à 4, la victoire de l'Armada. Les Voltigeurs subissent la défaite en période de prolongation. Frédéric Beaulieu qui vous dit merci d'avoir été là. À la prochaine.
Thank you.